en tenue de ski depuis tout à l'heure. Camille Combal m'a rejoint. Les séries, on est en direct. Et il y a avec nous celui qui n'est pas parti au ski, mais qui nous fera tous ses commentaires sur cette soirée. Mathieu Delormeau. Valérie Benahim. Caroline Turbine. Jean-Michel Maire. Mokhtar. Gilles Verdez. Isabelle Morini-Bosque. Capucine Alain. Benjamin Castaldi. Et Nora Malagré. Et Jean-Luc Lemoine. Nous sommes partis au ski il y a quelques semaines et vous allez tout découvrir de ce ski. Ce ski, ça va démarrer par des vacances. Vous allez voir, c'est vraiment des vacances. On va voir les évaluations, on va voir qui skie bien, qui ne skie pas bien, qui se sent bien avec la montagne, qui se sent bien avec l'univers montagnard. Vous verrez tout ça. Et puis, à un moment, on va basculer dans la compétition, les chéris, puisqu'on verra qui sera le meilleur montagnard, le meilleur aventurier du ski. Vous verrez ça dans un instant. Et je peux vous dire, je vous jure que c'est un des primes les plus fous que vous allez voir ce soir. Vous allez beaucoup, beaucoup rire. Et il va y avoir de la tension, il va y avoir de la pression. Parce que le dénouement, il sera en direct sur ce plateau. Il y a un an de ski à gagner, oui. Enfin, qu'est-ce que je dis, un an de ski à gagner? C'est toute la vie. Une vie de ski. Une vie au ski. Pour l'instant, nous en sommes à 100 000 tweets, à 500 000 tweets. On tirera au sort une personne qui gagnera le ski à vie. À vie. Et toi, Dieu sait que le bonnet te va bien. T'as trouvé ton style, mon tout bébé. Hashtag TPMP fait du ski. Pour le moment, c'est Camille Combal. On va démarrer ce prime avec Camille, puisque mon Camille, t'as découvert des petits trucs qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas tous vu, quoi. J'ai eu la chance de voir le prime que vous allez voir avant tout le monde. Il est fantastique. Et j'ai gardé, voilà, des petites choses que je vais vous faire découvrir, parce que tout au long de la soirée, l'aventure qu'a vécu Cyril et toute l'équipe, elle est dingue. Et moi, ce soir, voilà, je voulais vous montrer ce qu'on appelle les off, les images qu'auraient pas dû être diffusé à la base. C'est comme les 4 tiers de Jean-Luc Lemoine, sauf que cette fois, Jean-Luc est au milieu de tous ses oufs avec une doudoune. Il est parti prenante du délire. Déjà, on va commencer avec Cyril. Bien sûr, j'aime bien commencer avec Cyril. Allez, ça y est, ça commence. Parce que Cyril, il y a 3 choses sur lesquelles il ne rigole pas. Les vannes de Thierry Moreau, le ski et son look pour partir sur les pistes. Voilà, déjà, le premier jour, tu le vois arriver au petit déjeuner, tu sens qu'il est allé vider un magasin de sport. Il a dit, donnez-moi tout ce que vous avez de plus flashy, je veux pas qu'on me loupe. Pour la Libye, c'est mieux. Oh merde. Ensuite, le jour suivant, il a choisi la discrétion en optant pour un petit look montagnard qui nous rappelle Taillé dans ses belles années. Laisse tomber, c'est pas possible, c'est la catastrophe. Et petite coquetterie, Cyril a fait inscrire son surnom Baba sur le dos de son manteau. Et Isabelle est la seule personne en France à ne pas encore savoir que c'est son surnom. Et il est marqué à bas sur son blouson. Pas du tout ça. Ça commence. Je vous dis, ce soir, vous allez vraiment beaucoup rire, les chéris. J'espère que vous êtes en famille. C'est un prime vraiment très familial. Vous allez voir. Il y a marqué à bas. C'est la seule qui connaît pas Baba encore. Mais c'est pas possible, sans déconner. J'adore. Baba Noël et tout, vous êtes passé à côté. Elle est passée, elle avait ça, puis elle est passée à côté. Elle est passée. Bon, puis grâce à ce prime, j'ai pu me rendre compte que voilà, le petit Cyril, c'est un peu le Luc Alphand de Tunis. Hein. Tout le monde n'a pas le même niveau en ski, donc le principe, voilà, c'est le leader du groupe. Donc Cyril, il sait être patient lorsqu'on lui demande des conseils. T'auras plus de vitesse sur la verte. Allez, vas-y. Bon. Ils sont où, mes bâtons? Dans ton cul. Et Cyril aime chanter sur des skis. Voici le génie du ski qui revisite Amir, le mélomane. On dirait que t'as une grosse table, on dirait. Mais c'est la plus cool des chansons. Hein. Tous les chroniqueurs se sont amusés à chanter dans le bus, on va le découvrir. On le mettra à la fin. Je vais commencer. Cyril, il a un cœur, voilà, il a un cœur gros comme ça avec ses équipes. Donc pendant le séjour, sa porte était toujours ouverte pour les chroniqueurs qui désiraient lui parler, recevoir des messages d'encouragement, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ce prime soit réussi. Comme Isabelle, venue discuter dans sa chambre, il a toujours le bon mot pour conclure une conversation. J'ai une petite chambre. Bon, mais c'est là qu'on vient tous ce soir regarder le concours Miss France. Oui, mon cœur.
Elle est magique. Elle est belle. Ça sent le bois, c'est bon. Ouais, bah ouais, tant que ça sent pas le cul. C'est toujours. Et au restaurant, tout le monde a trinqué pour remercier Cyril. Même Mokhtar a tenté un compliment. Allô, mais à la sauce Mokhtar, regarde la tête de Cyril. J'ai rien fait, moi, les chéris. À la pépite du paf. La pépite. Et durant le séjour, Cyril a eu le coup de foot pour un Suédois. Et enfin, polyglotte, Cyril s'est trouvé les mots justes pour échanger avec lui. C'est beau cette petite tache là que tu t'es laissé pousser. I like your tache, I like your tache. Ouais. Il a une petite tache, il dit tocha. Oui, je parle suédois. Oui, je parle suédois. Très bien compris, j'aimais bien, c'était un mec avec qui on faisait des bras de fer. On a kiffé. Verrez ça, ouais. À tout à l'heure. On fait peut-être les chansons dans le bus à la fin. Voilà. Ouais, mais à la fin, peut-être à la fin. Vous le mettez de côté. Côté, on va le prendre en doggy bag. C'est en drive. C'est tout beau, quoi. Ouais, merci. Ouais. À la fin, ouais. Et puis, évidemment, ils ont pris le bus. Ils ont pris le bus pour rejoindre la station. Et ce qui est bien dans le bus, c'est que vraiment, il y a une super ambiance. Le lien se crée entre eux. Notamment, vraiment, c'est une famille qui part au sport d'hiver. Notamment, Gilles, Benjamin. On sent que voilà, il y a des petites querelles, mais vraiment, ça, c'est la fraternité. Tu es pas content, Castaldi ? Qu'est-ce que t'as, trop de cul ? T'as vu quoi, t'as l'air ? Mais t'as vu ta gueule, toi ? Insulte à la neige ! Toi, t'as une insulte à la vie, toi. Oh la vache. Pourquoi il s'est mis tout seul là-bas au fond ? Parce que personne ne l'aime, ce gros bâtard. Mais la belle histoire d'amitié de ce séjour, c'est quand même entre Gilles et Mokhtar qui ont vécu de vrais moments de partage dans le bus. C'est notre instant Mokhtar et Gilles. Sont les meilleurs amis. Oh la vache. Mokhtar et Gilles. C'est vraiment mon partage. Heureusement, Valérie, la plus gentille, était là pour prendre soin de tout le monde et s'assurer du bonheur, vraiment. Comme Gilles l'a chaleureusement remercié. Il va vomir. Gilou, tu vas vomir au fond. Sur ta gueule, oui. Pas possible, c'est la magie. Quelle équipe. Ah ben c'est... Calmez-vous, calmez-vous. C'est pas beau, hein. J'avais pas Valérie. Hein. Attention, hein. Même personne. Hein. Attention. Ils sont même pas encore arrivés à la station. Ouais, c'est vrai. Les gars sont partis il y a deux heures de Paris. Imaginez le séjour. Et qui dit vivre en communauté, trajet en bus, bah non, les chansons, on fera après, mais surtout, une fois qu'on arrive à la station en bus, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit dîner, tous ensemble. Sûr, C'est ça aussi, la famille, pour fêter toute cette aventure. Et alors, il y a des grands débats lors des dîners. Je ne vous cache pas que ce n'est pas un débat sur Trump, ce n'est pas un débat sur les primaires, c'est un débat raclette ou fondu. Tout le monde n'est pas d'accord. Heureusement, Cyril tranche. Et là, ça brise le cœur de Jean-Mi. Bon, vous êtes sûr qu'il y a... Qui prend une fondue? Qui prend une fondue? Monsieur, vous dérangez pas. Faites les raclettes, comme on a dit. Et faites raclette pour tout le monde et demain, ils feront fondue. Bravo! Bon, Jean-Mi, cette décision, il a mal vécu. On dirait un enfant à qui on enlève ses cadeaux le soir de Noël. Il s'en remet pas, regardez. C'est le fondu, demain. C'est ouais. Mais demain, je suis même pas là. Vous voulez d'aller là. C'est le simple, c'est ouais. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Je l'ai dit. Mais pourquoi tu me l'as pas dit à moi? J'étais au fond. Bah oui, je suis resté il en bon. Mais il aurait dû me le dire à moi. Il a dit 11 fois, là, quand même. Ouais. Je crois qu'il a un peu rouge jusqu'à 14 fois. Mais il me l'a pas dit directement. Ah, je voulais pas gêner, moi. Tu voulais une fondue? Ouais. On va en y retournera. Et pour ce premier Soroski, il y avait une vraie belle ambiance de franche camaraderie. Vous l'avez vu, hein, à table, voilà, entre les chroniqueurs, tous contents de se retrouver au sport d'hiver. Sauf Cyril. Cyril, lui, c'est une autre ambiance. Je vous rassure, ça se voit à peine. Il joue bien le jeu. Jean-Mi se frotte les mains comme ça. Ah, ça te frotte. Ça y est, j'ai du numéro. Pourquoi elle fait ça aussi? Ouais, exactement. Ça, juste avant qu'on rentre. Le snake. Mais même pas la qui fait des places, la carte. Bien sûr, elle est pas bien. Ah mais complètement, on pense qu'il va intervenir à un moment donné, mais non, portable et pain. Et regardez bien, Cyril a décidé de redevenir Cyril qui a même balancé une farandole de vieille vanne en scred au bout de la table. Jean-Mi, si tu réussis à... Tu prends une raclette. Jean-Mi va prendre une raclette et Caro va prendre une raclette.
Alors parlons politique intérieure. Ouais, c'est ça. Du cul sans être nu. Et on va finir là-dessus, mais ce qui est bien, c'est qu'on a enfin l'explication de pourquoi Jean-Mi doit à ce point voir une orthophoniste. Je vous laisse signer à table. On sait pas pourquoi. Trop léché de cul. Et voilà, pas exploitable non plus. Et les chansons, les plus belles chansons chantées dans le bus, je les laisse à Cyril, il pourra les balancer on à n'importe en fin du prime, d'accord. C'est 1h du mat. Voilà, merci, Camille Combat. Merci les amis, merci. Bonne soirée à tous, salut. Les chéris, allez, c'est le moment de démarrer le prime au ski. Vous étiez tous heureux de partir au ski, vous étiez comme des fous. Il y avait tout le monde, il y avait Mokhtar, il y avait Benaïm, il y avait Isabelle, il y avait Gilles. Et bien sûr, on est arrivé à Montgenèvre, cette magnifique station. Et vous allez voir, vous vous souvenez de notre arrivée, Gilles, ou pas? Ah oui, c'était magnifique. Oui, c'était magnifique pour tout le monde, oui. Sauf pour Gilles. Je vous le dis, regardez. Et on est arrivé dans les chambres. Et vous allez voir, l'arrivée de Gilles est un petit peu particulière. Ah ouais. Et vous allez voir le choix des chambres. Regardez, c'est parti. Tu sais qui est le premier? La Chine et la Tunisie. Merci pour la balade. Cyril, il arrive. Attendez-moi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ah, bienvenue. C'est anglais? Ok, écossais. Écossais, ça va bien? Si oui. Du glace. Bonjour, bonjour. 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 Venez, alors, prenez les escaliers, on se retrouve à la chambre 211. Parce que nous, on n'a pas de chambre. Non, il y a une chambre. Il y a une grande chambre. C'est une grande chambre. Sérieux, il y a une grande chambre. Tout sera tiré au sort, on va voir qui dort avec qui. Ah oui. Et on va voir, ça peut être n'importe qui, garçon, toi. Fille. Ah, regarde, même mais moi. Toi aussi? Oui, même moi. Et je me dis, yes, on va dormir avec Cyril, ça va être trop sympa, on va faire la fête. Là, à ce moment-là, je suis toute excitée. Mais c'est passé le patron, quoi, merde. Oh, un peu de respect pour la. Tu vas pas faire de la lèche. Respect pour la hiérarchie. On attend tout le monde pour ouvrir la chambre. C'est très beau ici, hein. Super joli. C'est en peau de tub. C'est chaud. Tout le monde est là? Oui, le chef. Oui, vous allez kiffer. On va mettre une chambre avec deux lits. Ça, vous doutez bien que c'est le lit d'Enora. Ça, c'est mon lit, c'est ça? Moi, je suis dans le placard. Venez là, non mais il y a d'autres lits en haut, tout ça. Mais Mokhtar, il rentre pas dedans. Les chéris, je vais vous expliquer. Cyril décide de lancer un jeu pour savoir qui va dormir avec qui. Et le jeu est révolutionnaire, le génie encore frappé, tirage au sort dans une chaussette. Jean-Luc, tu me donnes le papier. Alors déjà, je vois Jean-Michel. Ouais. Mais attends, c'est parce que t'as gagné. Pas avec qui. Il est content, il sait même pas pourquoi, c'est normal. Non, c'est une blague. Hein. Alors, on va voir qui dort avec Jean-Michel. Celui qui dort avec Jean-Michel. Elle est Caro, Caro. Envie de ne pas dormir. C'est sûr. Sur la tête de ma mère, Caroline. C'est pas une balle. Jean-Luc, t'es un génie. Ah, quand ça sourit, ça sourit. Allez, vous dormez, vous vous mettez là-bas, vous vous mettez là-bas. Le sort en est jeté, je dors avec Caro. J'ai pour consigne de rester tranquille. Ça va être chaud. Attention, Cyril. Ah. Là, on va savoir avec qui tu vas dormir. On va savoir avec qui je vais dormir. C'est Benji, c'est Benji. C'est Benji, sans déconner. Jean-Luc. Ah, je suis content, ton ami, je suis content. Je sais que j'aurai une bonne chambre, mais putain. Mais Jean-Luc, je suis content, mon chéri, putain. Bon bah, Cyril et Jean-Luc dans le même lit, faut être honnête, hein, ça promet une nuit totalement débridée. On va savoir qui va dormir avec moi, Jean-Luc. Je vous jure que c'est pas une balle, mais Jean-Luc, t'es un génie. Benjamin, Mokhtar. Moi, ça me déplaît pas de dormir avec mon petit Benji. On va se réchauffer. Non, mais c'est une blague. C'est mort, mais non, dors là. Il y a des trous dans le matelas, regarde ça. Non, pas... Regarde ça. Non, mais ça. Tu te démerdes, moi, je suis là. Je dors là, vas-y. Eh, mais par contre, sur la vie de ma mère, si il ronfle, je dégage direct. Vous avez les lissins, papa. Vous avez les lissins. J'avais les lissins. On dort là, genre. On dort toutes les trois, là. Mais non, je vais voir, je vais vérifier. On a Enora qui dormira ici. La cabane. Trop bien. On a Valérie, effectivement. Et toi, tu dors avec Gilles. Mais pas du tout. Bah si, attends. Si, Capucine et Gilles. Capucine, Gilles. Eh, honnêtement, c'est un homme d'expérience. Arrête, tu vas pas. Il est allergique au chien. De toute façon, il va arriver demain soir. Dans ce qu'ils font, il va arriver demain soir. Ah, ils m'ont pas aidé, hein. Ah la vache.
j'ai pas compris. Soit c'est la faute aux escaliers qui étaient pas droits et c'était un piège, on aurait dû me le dire. Soit c'est l'obscurité qui m'a aveuglé, tout est possible. Ou le vent dans sa latéralité qui m'a fait tomber. Bref, je me suis cassé la gueule. Alors vous étiez content à l'idée de dormir tous ensemble? Oui. Ah ouais. Non mais c'est vrai, vous étiez tous contents. Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez là déjà? Bah je suis vert un peu. Quoi, de ne pas être venu, ouais. Bah surtout de pas endormir avec vous. Ah. Non mais j'avais tiré. Ah ouais. Ma place était prise, désolé. Non. Ouais. Je vais vous dire, il y en a qui n'étaient pas spécialement emballés de dormir ensemble, notamment Benjamin. Benjamin, Mokhtar. Et Jean-Luc. Et non, Jean-Luc était content de dormir avec moi, mais Capucine n'était pas contente de dormir avec Gilles. Donc on s'est dit, on va lancer un petit jeu pour voir si on peut avoir des chambres individuelles. Regardez. Mais con cet ascenseur. Personne met dans cet hôtel, hein. Mais alors le problème, c'est que personne m'a attendu, là. Ces gars-là, les Rmar. Rmar. Je les attends pendant des heures, moi, tout le temps. Qui est content de son sort? Moi. Qui n'est pas content de son sort? Moi. Regardez là-bas. Il y a des affaires de ski. Ouais. Vous devez aller chercher des affaires là-bas et revenir. Si vous revenez en une minute, eh bien, vous gagnez votre chambre seul. Je ne suis pas du tout emballé de dormir avec Mokhtar. Il est beaucoup trop gros. En fait, il est beaucoup trop balèze. Maintenant que j'y pense, il n'est pas gros du tout. Il est surtout balèze. C'est dingue ça, normalement, on arrive directement à ski dans les chambres. Il n'y a personne ici. Gilles, ah tiens, justement, Gilles, t'es dans la chambre avec Capucine. Attends deux minutes. Oh. Tous les coups sont dormis ou pas? Non. C'est pas le premier, c'est... Et là, je découvre, il a un beau petit cul, Benji. Jean-Luc, c'est bon? 3, 2, 1, top, allez. J'ai un truc à vous dire. Quoi? On a tous une chambre seule. Je vais leur annoncer que grâce à eux, tout le monde a une chambre. On les remercie tellement. Mokhtar, c'est bon. Non, j'ai une mauvaise idée. 2 minutes 50. C'est qui le patron? On a gagné nos chambres et un bonnet. Sortez avec le panda. Bien, monsieur, bien. Frérot, on est dans la merde. Vous avez bien bossé, mais vous êtes à 2 minutes, 3 minutes. Bravo, lui. Mokhtar, laissez gagner, sinon après, il pleure toute la journée, c'est une petite fillette, ce mec. Capucine! Hors-délai. Ouais, bravo. Là, je suis vraiment dégoûtée. Il fait moins 1000 dehors. Et au bout de 2 minutes, forcément, il n'y a plus d'oxygène qui rentre en moi. Et voilà, franchement, je suis blasée, quoi. Tu veux changer? Oui. Tu voudrais dormir avec qui? Inora, Valérie. Non, mais en mec, t'es obligé. Mokhtar ou Jean-Luc? Mokhtar ou Jean-Luc, c'est les deux plus propres pour toi. Grâce à Benjamin, Capucine et Mokhtar, tout le monde a une chambre seule. Ouais. Merci. Eh oui, tout le monde a une chambre seule, vous étiez rassurés. Le plus angoissé, c'était Benjamin. Ouais. Oui, c'est vrai. Non. Ah ouais, il était comme... Je n'aime pas partager ma chambre. Ouais, je sais, vous étiez vraiment... Vous étiez bah, vraiment... Et moi, avec ce fou... Ouais. Je sais, mais attendez, Gilles n'est pas fou, il est très respectueux, sachez-le. Caroline, ça l'a pas dérangé de dormir avec Jean-Michel, hein? Non, parce qu'en fait, je déteste dormir seule. Alors, justement, vous allez voir que Jean-Michel et Caroline étaient très très proches pendant ces jours, vous verrez ça dans un instant. Mais vous vous dites pas qu'il manque quelqu'un, là? Bah si. Isa. Ah bah, oui, Isa. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, il manque ma chérie Isa. Ah oui. Ah oui, regardez. Ah oui. Ah oui. C'est Cyril? Oui, Isa, t'es où ma chérie? On t'attend.
Attends, mais je suis devant la gare d'Austerlitz, c'est moi qui vous attends, oh. Mais non, t'es où là? T'es où exactement? T'as quel quai? Je suis pas encore sur le quai, je suis devant, j'attends toute l'équipe, je suis là où on m'a dit d'attendre. Où ça? T'es où exactement? Je suis devant les objets trouvés. Devant les objets. Fais-moi un signe. Comment je te fais un signe? Lève le bras. Attends, j'agite la planche de surf là. Alors, refais-moi des signes. Mais... Saute. Mais... Mais t'es où? Tu te fiches de moi là? Saute, bah crie parce que j'entends pas. Vas-y, appelle-moi. Mais tu es où? Mais je suis à la gare d'Austerlitz là. Mais non, c'est pas possible, je te verrai. Mais non, mais t'es parce sur que le quai? Je crois te voir, mais j'arrive pas à t'entendre. Ah, moi c'est l'inverse, je t'entends, mais je te vois pas. Crie quelque chose. J'ai mal aux fesses. Attends, alors ça, pour avoir mal au cul, j'ai mal au cul depuis le temps que je suis debout, que j'attends avec ce pantalon qui a une taille en dessous de la mienne. Il est à quelle heure le train? Il est à 21h. Bah, le même train que toi, 21h20. Non, ça peut pas être le même train que moi parce que je suis parti ce matin, ma chérie. Pardon? Lisa, on t'a pris un train que pour toi. Et demain, on va t'accueillir et on va te faire plein de bisous. Saloperie. J'arrive à l'hôtel à Montgenèvre. Et là, franchement, c'est pas dans ma nature, mais je suis à bonne école. Il va voir comment il s'appelle, Raoul. Parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et là, j'ai de quoi le refroidir, le Cyril. Moi aussi, j'ai les boules. Mais les miennes, elles sont bien glacées, bien dures. Bonjour, alors là, pas contente du tout, du tout, du tout. Alors là, on va voir comment je m'appelle, Cyril. Donc, tout au bout, tout au bout, tout au bout, tout au bout. Chambre 210. Bon. Room service. Bonjour, mon Cyril. Bah dis donc, c'est pas parce que j'ai pas de poitrine qu'il faut me pousser là. Je suis blessé. Je te fais un bisou. Oui. Embrasse-moi. Regarde. Mais attends, le médecin, il va te tuer. Mais je peux m'occuper de lui aussi après. Ça a été mon cœur. Comment va le pied? Il va très mal. C'est vrai? Oui, ma chérie. T'as pas un pied pour moi, toi? Non, j'ai deux boules. Mission accomplie, je me suis vengée. Et à propos de boules, il est pas mal, Cyril Ancien. Salut, mon bébé d'amour. Jolie petite chambre. Hey. Et la vengeance d'Isabelle, la pauvre, est tellement mignonne. Très mignonne. Ça se voit que j'avais passé 3 nuits sans dormir. Non, je trouve que vous êtes très belle. Non. Vous étiez bien dans le train toute seule? Alors, j'ai jamais vu ça. Quoi? Les gens étaient entassés par paquets de 8-12 dans les couchettes. J'ai jamais vu ça. Oh, excusez-moi, vous pouvez enlever votre main, là? Je comprends pas, en fait, ce que vous dites. Ah ouais, d'accord. Et vous étiez avec quelqu'un dans la couchette? J'ai fini par trouver quelqu'un, j'ai discuté toute la nuit avec. Oh, le pauvre. Ah, le pauvre. Si la personne nous regarde, on l'embrasse. Ah ouais, quand même, bonne tanasse. Sale nuit. Alors, les chéris, bien sûr, le lendemain, il fallait faire les évaluations de ski. Et regardez, vous allez voir le niveau de ski de chacun et surtout leurs objectifs. C'est parti. Oh là 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 là. Oh. La montagne, ça creuse, j'ai la dalle. J'espère qu'il y a un kebab là-haut. Déjà, rien que ça m'angoisse, je t'explique. C'est bien, bravo. Maman, attention, Isa. Tac. C'est vraiment, Cyril, c'est le mono, quoi. Non, mais... c'est le mono de ouf. On va partir avec Benjamin. Et derrière, on va faire une évaluation des niveaux. Voilà. Bon, Benjamin, on y va, mon chéri. Oh la vache, Cyril. T'as comment il skie de ouf? Bah, il a tous les talents, quoi. Sur les skis, bah, c'est un dieu vivant. Voilà, planter le bâton, souplesse dans les genoux, déhancher. Il sait tout faire, c'est absolument incroyable. Vous allez avoir chacun des objectifs sur cette descente. D'accord. Isabelle, je veux que tout ton corps ne fasse qu'un.
Oula. Parce que là, t'as la partie d'en haut, la partie du bas. La vraie Darka, c'est que vous m'écoutez, on dirait vraiment que vous écoutez un vrai feu. Oui, oui. Ils sont en rasera, mais de ouf. Allez, vas-y. T'as un objectif et on fera le bilan après en bas. Putain de sarrasse, de bordel, de pompe à nœuds. Je plante mon bâton. Oh là là, oh là là là. Je plante mon bâton. Ça part dans tous les sens. Ouh là là je là. Je plante mon bâton. Complètement raide. Oh là 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 là, oh là là. Il y a un moment, j'ai oublié de planter le bâton. Bah du coup, je me suis planté. Mokhtar, flexion, moins raide et planté de bâton. On te regarde. Le cul bien en arrière. Fais gaffe que ça fasse pas un appel d'air. C'est magique. On se casse tous la gueule sur cette piste. Et en plus, j'ai des crocs. Toi, Caro. Ouais. Maîtrise de la vitesse. Ok. Vas-y, Caro. Les gars, vous savez que je me prends vraiment pour un feu pro de ski. Mais nous, on kiffe. T'es assez bon. Ouais, tu donnes des bons conseils. Voilà. Voilà. C'est pas mal, ça. Elle skie bien, elle. Ah non, c'est bien, c'est bien. Elle te révèle, là. Ah non, bien. Elle est à un bon niveau, là. Ouais, bon niveau. Gilles. Oui. T'es raide, donc toi aussi, essaie de fléchir un peu. Ouais. Et respecte la montagne. Le ski, ça doit être un kiff. Ouais. Si vous faites du ski pour arriver d'un point A à un point B, c'est pas la peine. Faut que j'aille pisser après. Ah, tu pisses en cours de route. Ok. Ok. Et je veux des belles traces. On m'appelle l'OVNI. Non, là t'es trop en chasse-neige, j'essaie d'être un peu plus en parallèle. Mais dans ce qu'ils te font, on n'arrivera à rien avec lui. C'est pas mal, vous êtes dur. Arrêtez, c'est une catastrophe. Non, non, c'est laid. Il a un gros problème de style. C'est très très laid. Très très laid. C'est très très laid. Et Nora, là, on se relève, on se relève. Toi, t'as même pas besoin de fléchir, t'es déjà au ras du sol. Donc tu te fléchis pas. Les bâtons, c'est les bâtons, c'est pour que tu les foutes dans le cul. Oh la vache, putain. Plante ton bâton, plante ton bâton. Ah putain. Mais plante ton bâton, mon dieu. Wow. Non, mais elle maîtrise pas sa vitesse. J'ai un style, c'est vrai, un petit peu particulier, mais qui est un style qui est vraiment assez américain, en fait. Mi-ski, mi-luge, tout sur le cul, quoi. Voilà. Jean-Luc, oui. Toi, ton objectif est d'être un peu plus vers l'avant. T'es un peu trop en arrière. On dirait qu'il y a quelqu'un qui te tire vers l'arrière. Ouais, et c'est pas le talent, malheureusement. J'aurais dû amener mon talent, j'aurais pu le montrer à Jean-Michel. Il a jamais vu ça. Les deux poulets. J'y vais ? Vas-y, moi, Jean-Luc. Déjà, pour démarrer, c'est pas mal. Regardez. Il est élégant. Non, il est élégant. Bravo Jean-Luc, c'est super. Capucine, aujourd'hui on part de zéro. T'avais pris des mauvaises habitudes en télé, tu venais d'énergie 12, on a su te remettre sur le droit chemin. Et ben là, c'est pareil au ski. Donc je t'explique. Okay. Les bras comme ça, je veux plus les voir. Sois plus en avant. Ok, allez, on y va. Vas-y Capu. Twerk un peu avec les fesses. Voilà, vraiment, plus de style. Voilà, ouais, c'est très bien. C'est mieux. Plante le bâton, oui. C'est très bien. C'est mieux. Ouais, génial. Non, génial non. Ouais, non. Oh là là, ah là là, voilà. C'est cool. Bravo. Maîtrise de la vitesse, toujours. La maîtrise de la vitesse. Benaïm. Allô. Tu peux dire les zombies ? Ouais. Je vais rester avec Benaïm. C'est très bien. Oh, il est fort. Oh là 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 là. Quel niveau. Hey. Benaïm, tu vas skier à côté de moi. Tu vas doucement. C'est de faire comme moi. Ah, lui, il est tout en planté de bâton de ouf, quoi. Ouais, mais moi, j'adore ça, le planté de bâton. Ah non, mais attends, il maîtrise, hein. Je trouve ça joli. Eh, tu skis comme un prof. Bravo. Cyril a l'impression que la neige a été créée pour toi, quoi. J'en peux plus, putain, mais c'est pas possible. C'est vrai. Mais je rêve. Jean-Michel, c'est un lèche-boue, mais pire que le Delormeau, là. Mais Naïm, je suis très content de toi. Bah oui. Et Dieu sait que je misais pas sur toi au début. Bravo. Bravo, Valou. Bravo, hein. Bon, je suis très content des évaluations pour ce premier jour. Et ce premier contact avec la neige. C'est vraiment vie ma vie de moniteur de ski. Ok, on a fait un premier contact avec la neige qui est très encourageant. Surtout pour certains. Il y a des gens qui ont un bon niveau, qui vont eux essayer de s'améliorer et de skier plus en sécurité, à savoir Jean-Michel et Benjamin. Parce que skier bien, c'est bien, mais skier en sécurité, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on recherche, et nous, ce qu'on recherche au niveau de l'ESF, l'école du ski français. Il y a des personnes qui avaient un niveau de ski, qui veulent le retrouver, à savoir Isabelle. Toi, ça va être un travail de longue haleine. Tu vas en chier, on va y arriver. Longue haleine, je me suis pas brossé les dents. Hein. Merci. Il y a des gens qui débutent. Ouais. Ces gens qui débutent. Mokhtar, t'as un gros potentiel. Ah bah oui. En revanche, je peux pas te garder avec moi pour l'instant. Pour des raisons de sécurité. Parce que un gars comme toi qui me lâche à 3500 mètres d'altitude, je peux pas le remorquer. Donc toi, tu vas aller au piou-piou avec les enfants. Piou-piou-piou-piou. Tu m'as pris pour un oiseau ou quoi ? Jean-Mi, toi, t'as un bon niveau, mais
j'ai l'impression que tu n'arrives plus à aller plus loin. Ah, c'est ça. Tu vas partir et tu vas prendre un cours individuel. De ZLE ? Tu verras. Ah, ça sert de faire le Lashbot. Un cours particulier avec une prof particulière, je pense qu'elle va pas garder sa combinaison très longtemps. Valérie, aujourd'hui, j'ai un chemin qui me dit je vais amener Valérie avec nous et je vais la faire progresser. Ouais. Au risque de quoi ? De blessure. Au risque d'avoir un gros accident. Est-ce qu'on prend des risques en haute montagne ? Non ! Merci. J'ai un autre. Un autre chemin, Benaïm. Ouais. Qui me dit, Benaïm, est-ce qu'elle serait pas mieux au spa ? Ah, c'est pas mal ! Tu vas me reprendre le spa en main. Ah ouais ? On va venir te voir en fin de journée. Fais gaffe de pas te prendre une pierre chaude dans le cul. Va. Voilà les évaluations de chacun. Donc chacun avait ensuite donc, des objectifs. Hein. Vous avez vu Mathieu ? J'ai vu. Mais mon cher, où est-ce que tu as appris ce qui est comme ça, toi ? Quoi ? Bah, je sais Tunisie, pas. Sur les dunes. Tunisie ? Eh oui, monsieur, sur les dunes. Bravo, de la Tunisie. Bravo. Eh ouais. Les autres, je suis assez étonné parce que quand même, normalement, tout le monde sait ce qu'il y a un minimum. Quand même, personne sait ce qu'il y a. Bah, excuse-moi, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aller au ski. Oh, le ça va, fais-nous le... Non, ouais, bah, oui. Attendez, ils skient plutôt bien. Et donc, ils avaient des objectifs. Vous, Isabelle, par exemple, votre objectif, c'est... On a essayé de vous faire passer le permis de conduire. Ah. Ça n'a pas réussi. Donc, on s'est dit, on va vous faire passer le permis de chien de traîneau. Oh. Hein, on est d'accord. Et vous, Mokhtar, eh ben, vu votre niveau, on vous a mis... Piu-piu. Regardez. Qu'est-ce qui va encore m'arriver ? Et pourquoi ils m'ont mis cette veste en fourrure, cette chapka, ces bottes en fourrure ? J'ai l'air d'un pingouin. Tout petit pingouin, tout petit pingouin. Bon. Bonjour. Oh, oui. Tiens. Tiens, pars en dessous. J'ai aussi l'impression de ne pas exister comme vous. Isabelle, vous êtes là pour passer votre permis, mes chers. Oui. Venez, je vais vous expliquer comment ça se passe. Oui. Quand ça va à droite, penchez à droite. Quand ça va à gauche, pareil. Oui. Au départ, les deux pieds là sur le frein. Vous mettez un pied là, vous dites OK, et vous poussez, ça enlève le frein. Ça se fait déjà beaucoup de choses pour mon petit cerveau là. OK, bien. Ne t'éloigne pas trop quand même. Pardon, hein, je ne veux pas te ralentir. Merci. Ça va mon grand, t'as bien dormi ? Ça va, très bien. Ah super, t'es en forme, prêt pour aller skier ? J'ai hâte d'être avec mes amis. On va mettre la petite combinaison. Une jolie combinaison. Elles sont sérieuses ou quoi ? J'ai l'air d'un peu pio, moi. T'as grandi hein, par rapport à l'année dernière. Hein. La combinaison, elle va peut-être être un peu courte. Hein. J'ai mangé trop de soupe. Allez, viens avec nous. Bonjour Mokhtar. Bonjour. Tu vas venir skier avec nous aujourd'hui. Tu vas ? Allez, sous. Allez ! Faut pousser, pousse, pousse. Allez, allez pousse. Les chiens. Patine, pousse. Voilà. Ah, ça commence à se coordonner. C'est le bonheur, le cerveau comprend tout, je suis, ça va bien. Ah, oh, j'arrive pas à faire le frein. Ah. Freine. Tiens ton traîneau, tiens ton traîneau. On y va, go! Nelly, autant que tu donnes la main à Mokhtar, il a pas l'air très débrouillé. Les enfants, allez, on passe sous l'ours, montre à Mokhtar parce qu'il sait pas trop comment faire. Sous ça va là? Reste avec nous, prends pas le tapis. Tu mets ton doudou? Ouais. Je suis un gueulard pour monter par contre. Allez, on appuie sur ses jambes, Mokhtar. Voilà. Merci. J'ai qu'un mot à dire. Anouna, t'es qu'un tarba. Mokhtar, à toi. Allez, tu fais tout tomber, Mokhtar. Vas-y. Oui. Un, deux. Allez, lui, on a du mal, hein. Allez, je t'aide à te relever. Oui. Bravo, Mokhtar. T'avais vu, toi, comment j'ai fait? C'était bien ou c'était pas bien? C'est pas bien. On va monter au tipi. On va manger le goûter. Ah, le goûter. Le goûter. Ah, ça, c'est une bonne idée.
Alors maintenant, tu vas passer ton permis traîneau et puis tu vas affronter le plus grand mécheur du coin. Ouais, c'est toi ? Hein ? C'est toi ? Non, c'est pas moi. Il va arriver tout de suite. Je suis tellement contente de le voir. Denis et moi, c'est toute une histoire. On se rencontre à Las Vegas dans une soirée où il fait un Elvis Presley tout à fait approximatif, mais super attachant. On se revoit à Paris, il vient me faire une surprise. Et vous savez quoi ? Eh ben, il m'avait manqué. Goûtez. C'est où le goûter ? Tu me donnes ton goûter ? Ton goûter, tu me le donnes ? Ah, pourquoi ? Le goûter ! Le goûter ! Vous avez faim, les enfants ? Oui ! T'as une compote ? Oui. J'ai pas une compote ? Il a une compote par personne. Il n'a pas le droit des compotes, il a des compotes. Hein ? C'est à moi ? Ça, c'est à moi ? Et ça, c'est à Noé. Tu m'as dit, tiens, garde-la, j'en veux pas. Tu m'as dit ça ? Je me dis, j'en ai deux, on le dit pas. Le seul kiff de la journée, j'ai réussi à gratter une compote. 3, 2, 1, 4. To the finish line, loser. Je me suis battue jusqu'au bout et finalement je suis assez fière de moi et je crois que Denis aussi. Est-ce qu'il a mérité d'avoir son pioupiou, Mokhtar ? Oui. J'entends rien. Oui. Pioupiou. Oui. Pioupiou. Et Mokhtar a eu son pioupiou. Il peut m'aider, pioupiou. Je te l'accroche comme ça, tu la perds pas, Mokhtar. Hein ? Bravo, Mokhtar. Au revoir, les enfants. Finalement, je me suis pas mal sorti. Ça fait que la compote. Il est temps de te remettre le diplôme, Isabelle. T'es sûr que je le mérite ? Voilà. Congratulations, Isabelle. Ah, j'en ai bavé, mais qu'est-ce que je suis contente de l'avoir, ce diplôme. C'est vraiment au poil. De chien, bien sûr. Thank you to have come, I'm very, very glad. Let's go get you some coffee or tea, come on. She is so fantastic. I love you, Isabelle. Por favor, mi amor, mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor. Eh, Isabelle, alors Isabelle, je sais que vous l'adorez, hein. Ah oui, oui, mais en fait... Tu sais que c'est une grande star aux États-Unis et il ne lâche pas Isabelle. Ouais, elle est au ski, il vient au ski. Elle est à la mer, il vient à la mer. Elle est partout. Mais vous vous adorez les deux. J'aimerais quand même... Est-ce que vous voulez revoir un petit peu les chutes d'Isabelle? Les chutes d'Isabelle. Vous savez quoi? Oui, bonsoir. Quand même, c'est un truc... Parce que moi, je viens vraiment de la montagne. On m'avait donné des bottes super lisses. C'était impossible de tenir sur le traîneau derrière. On a vu, merci. On a vu, regardez. Attendez, on a... Ça, c'est là, c'est ma préférée, ça. Lâche. Pardon, il n'est pas très lentille. Lâchez la perche. Non, j'adore. On n'a pas une autre, Isabelle, s'il vous plaît. Attendez. C'est quoi? Ouais, celle-là, elle est magique, celle-là. Merci. Ah. Tiens ton traîneau. Merci à tous d'être avec nous, on est en direct sur C8, TPMP fait du ski. Et apparemment sur Twitter, je vous le dis, c'est la folie, hashtag TPMP fait du ski, vous pouvez gagner le ski à vie, les chéris. On est en direct. Merci d'être là. Et dans un instant, on va rentrer dans l'aventure. Mais juste avant, Jean-Michel Maire, vous aussi, vous aviez un objectif. Je vais arrêter ce magnéto n'importe quand, je vous le dis en régie. Je voulais juste qu'on voit le début du magnéto, parce que Jean-Michel Maire, vous vous rappelez de Jean-Claude Duss? Ah oui. Dans Les Bronzés? Oui. Eh ben nous, on avait Jean-Michel Maire. Oh non. Regardez.
je viens prendre une leçon. Je préfère une monitrice parce qu'elles sont bonnes pédagogues. Regardez si elles sont Pamela Newman. Pamela Newman. Mon choix est fait, c'est Pamela Newman. Pff, elle est incroyable, c'est une bombe atomique, c'est la reine des neiges. Avec elle, je sens que je vais progresser, mais de ouf, le planter de bâton. Alors, est-ce que je peux vous demander votre nom, prénom pour la carte de course ? Jean-Michel. Tub. T-E-U-B. Voilà, ça c'est votre carte de course. Super. Je suis chaud bouillant, la Pamela, je vais la faire fondre. Pamela, elle est pas là, Pamela, quoi. Ils sont pas sérieux à l'ESF, hein. 15h, c'est pas 15h02, hein. Monsieur maire ! Oh, monsieur maire ! S'il me veut, celui-là encore. J'arrive, attendez-moi ! Bonjour, monsieur maire ! Quoi ? Bonjour, monsieur maire, enchanté, je m'appelle Mimi. Un gros souci avec Pamela, un gros panari, elle peut pas mettre une chaussure, elle est coincée au lit. Panari, elle est coincée au lit. Elle... On avait notre Jean-Claude Duss, les gars. On va se retrouver dans un instant pour la suite du Prime. Et restez avec nous parce que dans un instant, on va rentrer dans l'aventure. Eh oui, qui sera le meilleur aventurier du ski? Vous verrez ça, c'est fou ce qui nous attend. A tout de suite, la petite beauté, on est en direct, à tout de suite. Et on est en direct, KPMP fait du ski, hashtag KPMP fait du ski. Continuez à tweeter, hashtag KPMP fait du ski, puisqu'il y en aura un d'entre vous qui va repartir, les chéris, avec le ski à vie, pour aller au ski à vie, à vie, à vie, à vie. Toute l'équipe est là, les chéris. Et dans un instant, on va rentrer dans la compétition. Vous allez voir tout ce qui s'est passé au ski. Pour vous, par exemple, Gilles, qui est le meilleur skieur, voilà, de toute l'équipe? Jean-Michel. Jean-Michel. Franchement, Maire. Il m'impressionne. Ouais, c'est vrai qu'il. Je l'aime pas beaucoup, mais il fait corps avec la neige. Je pense que c'est Benjamin, moi. Jean-Michel, pour vous. Oui. Vous pensez que c'est vous? Oui, mais j'ai eu la chance de skier de tout petit. J'habitais dans les Vosges, c'était obligatoire à l'école, donc j'ai pas trop de mérite. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Ouais, merci, bah oui. Mais je pense que Mathieu skie très bien, mais il était pas là. Ouais, bah bien sûr, bah oui, mais les absents ont tout Benjamin, ouais. Bien entendu. Mais Benjamin skie très bien. Il doit skier comme une merde. Merci. Et Caro aussi, Caro aussi. Benjamin, vous, Benjamin, il skie bien. Benjamin, c'est le prof de ski. Complètement. Vous, ESF à mort. Non, mais c'est vrai, c'est ESF à mort. Et Nora, elle plante pas son bâton. Antoine, elle plante pas son bâton. Caroline Turbi, très bon niveau. Et vous, Jean-Michel, malgré votre bon niveau, j'ai voulu quand même vous mettre un prof à vos côtés. Mmh. C'est vrai. Alors, on va revoir Magnéto depuis le début. Regardez bien la lourdeur de Jean-Michel pour ceux qui nous rejoignent sur C8. C'est parti. Je viens prendre une leçon. Je préfère une monitrice parce qu'elles sont bonnes pédagogues. Regardez si elles sont hyper mises. Pamela Newman. Pamela Newman. Mon choix est fait, c'est Pamela Newman. Pff, elle est incroyable, c'est une bombe atomique, c'est la reine des neiges. Avec elle, je sens que je vais progresser, mais de ouf, le planter de bâton. Alors, est-ce que je peux vous demander votre nom, prénom pour la carte de course? Jean-Michel. Tub. T-E-U-B. Voilà, ça c'est votre carte de course. Super. Je suis chaud bouillant, la Pamela, je vais la faire fondre. Pamela, elle est pas là, Pamela, quoi. Ils sont pas sérieux à l'ESF, hein. 15h, c'est pas 15h02, hein. Monsieur maire ! Oh, monsieur maire ! S'il me veut, celui-là encore. J'arrive, attendez-moi ! Bonjour, monsieur maire ! Quoi ? Bonjour, monsieur maire, enchanté, je m'appelle Mimi. Un gros souci avec Pamela. Un gros panari, elle peut pas mettre une chaussure, elle est coincée au lit. Un panari? Elle est coincée au lit. Elle est coincée au lit. Ah ouais, ça me va très bien. Moi aussi j'ai un panari. Ah, je boite un peu là. Regardez, regardez comme vous allez bien. Je sens que l'après-midi va être très très longue. Y'a pas moyen de faire un FaceTime avec Pamela pour voir. Oui, oui, ben dans 8 jours. Allez, en avance. On va faire une petite montée en canard. Et comment ils font les canards? Coin, coin. Et coin, et coin, et coin, et coin. Avec moi, monsieur maire, allez. Et coin, et Mimi. Coin, oh. Et coin. Et là, vous sentez que vous êtes bien équilibré. J'ai des gaz, là. On va aller se diriger, monsieur maire, vers les télécabines. Génial. Et pendant ce temps, il y a Pamela qui est au chaud, toute seule avec son panari, et moi qui suis là avec Mimi. Je peux plus. On va faire la godille. Monsieur maire, là, à droite, à gauche. À droite, à gauche. Non, 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 sors pas les fesses comme ça. Pamela. Je vais vous le démontrer. Pamela, couchez, Pamela, panari. 10 fois, ça suffit. Là, le mec, il me prend la tête, moi, avec la godille. Avec la godille, je la maîtrise parfaitement. Bim, bim, bim. Regardez bien. Et là, hop. Ouais, vous tournez, quoi. Et là, hop. T'as de quoi frimer, quoi. Ça, c'est de la godille. Pamela, je me retrouve avec un vieux schnack. Hop. Voilà, monsieur maire. Quand vous voulez. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça part déjà. Et monsieur maire, mais c'est quoi ça? On est où là? Les pieds collés.
Oh. Nickel. Mais hé, mais vous avez vu comment vous skiez? Nickel. Mais une vraie chèvre, on aurait dit. Une vraie chèvre, je suis collé comme il y a 40 ans. Ça va, j'en peux vraiment plus de Mimi, là. Je sais pas s'il me prend pour Jean-Claude Duss ou pas, mais je crois que je vais me le faire. En même temps, à défaut de Pamela, hein, faute de grille, on prend des bouteilles. On fait des efforts, allez. Hop, et on descend, on maîtrise sa vitesse, on descend sur les jambes. On descend, on descend. Allez, hey, monsieur maire, restez là, monsieur maire. Attendez, monsieur maire, allons, 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 monsieur maire. Hop. Je voudrais dire quelque chose à Jean-Michel. Jean-Michel, j'ai un aveu à vous faire. Il n'y a jamais eu de Pamela Newman. Ah. Elle n'existait pas. C'était l'ai cherché tout le séjour. Bah oui, c'était une pure invention de la production. Pamela Newman, vous croyez vraiment? Non, mais sans déconner. J'ai eu un petit doute à un moment, mais jusqu'au dernier moment, je l'ai cherché quand même. Hein. À la fin, parce qu'ils nous ont fait une surprise à la fin. Vous avez dit, mais j'aime bien. Non, mais vous avez cherché jusqu'à la fin. Bah, à la fin, il y a eu une petite fête en notre honneur à la fin. Je demandais à tous les monos où elle est où, Pamela. Non, mais elle n'existait pas, Pamela Newman, hein, je vous le dis. Ça, t'as pas eu un doute en voyant la photo, là? Ouais. Moi aussi, il y en a peut-être des comme ça. Non, mais il y a cru. Alors, les chéris, tout se passait bien. Vous étiez en pleine vacances. Et à un moment, les vacances se sont terminées puisque vous avez reçu une petite vidéo. Regardez. Mes petites beautés, les vacances sont terminées. Maintenant, place aux aventuriers. Mes chéris, retrouvez-moi au sommet, le plus haut. Avec le plus beau des cadeaux, mais attention, sans monnaie. Sans bonnet, il a dit. Mais non. Quoi? Sans monnaie. Sans bonnet. Sans monnaie, pas d'argent. Sans bonnet. Moi, j'ai compris sans bonnet. Ah, c'est comme Pékin Express. Ah, genre Pékin Express de la neige. Voilà. Pour cette première mission, les chéris, vous serez par binôme. Putain, j'espère que je suis avec une fille, moi. On aura Mokhtar avec Benjamin. Oh, wow. Belle équipe, hein. Jean-Luc avec Enora. Ouais, oh, ouais, ouais, c'est bon. Jean-Michel avec Caroline. Ah. Capucine avec Valérie Benaïm. Oh, ça va. Bonsoir, monsieur. Et enfin, Gilles retrouvera Isabelle Morini-Bost. Normal, bien sûr. Bonne chance à tous et soyez de bons aventuriers. Je vous attends. Le dernier sera éliminé. Salut mes petites beautés. Là, il faut qu'on soit un cadeau. Alors, est-ce que... Soit on tente une boutique, soit on tente des gens dans la pharmacie. Pharmacie, ils donnent des échantillons gratos. On dit que c'est pour un ouais, ouais, allez, c'est bon. Allez. Eh, Jean-Mi, tu veux pas qu'on monte dans une voiture? Hein? Comme ça, on gagne du temps et on marche pas dans la station. Bah, c'est pas loin, hein. Mais c'est là-bas, Gilles. Par là. Ah, viens, on va par là, Isa. Ouais. Attends, parce que ces chaussures, c'est pas souple, hein. Voilà, on travaille avec Cyril Amiona, vous connaissez, touche pas à mon poste. Voilà, on doit ramener un cadeau. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent. Et on doit apporter, c'est comme Pékin Express, on doit apporter un cadeau. Mais on peut pas les payer, parce que c'est pour une émission. C'est pas grave. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pour Cyril Hanouna, ça vous va? Et moi, si vous voulez, j'ai des petites chaufferettes que vous pouvez revendre hyper cher. Oh, vous êtes un amour. On vous fait un bisou, je vous fais un bisou. Ah, oh, super. Ouais, vraiment. Merci beaucoup. Mais alors, vraiment, j'en ai pressé. Super. Yes. C'est bon. Merci, super, les amis. Merci. Merci. Bon, bah, et souhaitez-nous bonne chance, on veut tout gagner. Oscar, ouais, on monte. De toute façon, en ski, on va tous les éclater. Bah, évidemment, on est les meilleurs. Par contre, faut pas qu'on se gourre sur le sommet le plus haut. Ouais, mais regarde, ils sont le temps qu'ils cherchent une voiture, on arrive à l'ESF là. Vous pouvez nous déposer, enfin, c'est pour une centaine, vous pouvez nous déposer un peu plus loin là-bas? Ouais, cool. Ouais. Bundy, Bundy. Ah, merci, monsieur. Viens, on monte, viens, on monte. Tu vas où là-bas? Vas-y, 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 vas-y. Non, 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 dégage, dégage. Dégage, c'est notre voiture, ça. Allez, va-t'en, là. Vilaine. C'est fermé. Non, les... non, non, non. Vous montez pas, vous. Merde. Attends, attends, Capu, Capu. Moi, quand je suis dans le jeu, la galanterie, ça n'existe pas. De toute façon, il n'y a pas de place pour Benaïm. On monte, on monte. Merci, monsieur. Le SF, s'il vous plaît.
Ah, on va à l'ESF, s'il te plaît, frérot. C'est tout au bout. Je crois que c'est tout au bout. T'as des pneus neige. Carton rouge. Carton rouge. C'est notre idée. Tu vois, on aurait dû monter dans une voiture. T'inquiète pas, de toute façon, il y a toujours Verdez et derrière nous. Donc, ouais. Putain, j'ai les tibias en compote. C'est pas grave, t'as pas besoin de tibias. Et non, c'est fatigant, ma pauvre, ta marche. On y va, c'est bon, la team. Allez, on y va. Il y a deux points. À mon avis, le point le plus haut, c'est celui-là, là. Allez, go. On y va. Évidemment, il suffit que j'attende, il n'y a pas une meuf. Je cherche une meuf pour Cyril. Le cadeau pour Cyril. Bah si, je vais rapporter, je vais ramener une nana, une jolie. Et alors, tu trouves? Ah bah j'en cherche. Pas de bol, j'attends, c'est le poissard. J'attends pas une... Ah si, c'est pas une meuf. Oui, mais c'est en groupe, ça va être saoulé, faut trouver une meuf. Mais attends, faut trouver deux meufs. Seule, mais si, deux, mais là, regarde, il y en avait bien deux toutes seules, faut en trouver deux autres. Hein? Dès qu'il y a les gendarmes, moi c'est bien, je me sens rassuré. Merci, hein. Hein? Ouais. Bon, on est complètement perdu, faut bien le dire, mais on a du bol parce qu'on tombe sur un gendarme super sympa. Alors en plus, moi j'adore les gendarmes et il faut dire que celui-ci est particulièrement compétent. Irréprochable côté face comme côté fesse. Mais ça, c'est l'uniforme, ça les fait tout craquer. Pas seulement. Qui c'est qui vous a donné les skis là? Je sais pas. Gendarme. Non, parce que là il y a un problème là. Là c'est là comme ça vous allez pas y rentrer dans vos skis. Je peux bien croire que vous arrivez de Paris, mais là vous êtes. Je fais du 42 et vous avez des chaussures qui sont plus grandes que moi. Ah mais non, d'accord, mais c'est pas possible. Ils se sont trompés de godasses, c'est pas les bonnes godasses. Comment ça? Ben c'est des chaussures beaucoup plus grandes. Et ça va pas? Non. Ah merde! Là, non, ça va pas aller là. C'est scandaleux ce qui s'est passé. Comme on fait peur, on nous sabote le travail. On veut nous faire perdre. Mais arrête, tais-toi, tu vas provoquer une avalanche. Eh ben, je m'en fous. Alors, les chéris, qui va arriver au sommet? Le dernier, on va le savoir dans un instant. Alors moi, j'aimerais revoir quand même Benjamin Castaldi. Oui, qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Il nous a dégagé. Et Valérie, c'était moche. Quoi? Ah non, ce qu'il a fait? Oui, ah bah bien sûr. Ouais. Manque d'élégance absolue, nous a dégagé comme des... La compétition, on n'est pas là pour rigoler. Non mais quand même, tu aurais pu te tasser un petit peu dans la voiture pour nous laisser quand même venir. Non mais il n'y a pas à se tasser, je ne voulais pas que tu montes. Regarde. Regarde, on va voir cet extrait, monsieur. Regardez. Non, 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 non. Dégage, c'est notre voiture, ça. Allez, va-t'en, non, là. C'est moche. C'est fermé. Non, 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 non. Vous montez pas, vous. Merde. Attends, capu. Valérie, ma chérie, je suis désolé. Voilà, et je vous demande de l'excuser. Capucine également. Ça voilà. Oui, en plus, Valérie, la pauvre, il y a eu un autre truc, c'est que le pharmacien, il s'en fout totalement. Avec grâce. Ouais. On a mis 1000 ans. Il était gentil, hein, mais il prenait son temps. Loin. J'adore. Hein, je peux vous faire un bisou? Ouais. Je vous fais un bisou. Ah, super. Ouais, comment? Mais alors, en revanche, on est pressé. Je vous fais un bisou. Ouais, super, ouais. Ah ouais. Alors, qui va arriver au sommet? Parce qu'il y aura après la première élimination. Qui va quitter le premier, la compétition? Regardez, c'est parti. On a les cadeaux. On est dans le premier bon télésiège. Et bon, bah, on est pas mal. Je croise les doigts, normalement. Voilà, je croise les doigts. Personne ne s'est passé devant. Donc là, on part au taquet, on est ultra motivé, on a tout défoncé sur la carte, on sait où on va. On est tellement bonne, mais tellement bonne. On va arriver en premier, c'est sûr. Ah, Gilisa, on les a pas vus, hein. Non, mais Gilisa. Ouais, c'est pas au... C'est pas à Chalvet? Merde. Ben, nous, on nous a dit que le plus haut sommet, c'était Chalvet. Faut qu'on retourne vers les Salmettes. Bon ben là, on s'est planté de sommet, évidemment la production s'inquiète, on doit retourner au village. Là franchement, on a perdu une bonne heure. Alors qu'on y était. Le seul truc que j'espère, c'est qu'on n'est pas les seuls quoi, à être perdus. Hein. Le rocher de l'Aigle, c'est là, regarde. Secteur de l'Aigle, c'est en Italie. Mais c'est de ouf, faut faire la course jusqu'en Italie, et en plus j'ai même pas pris mes papiers. Tu sais, c'est l'Italie au moins. À côté de la Tunisie? C'est ça, en bas à gauche. J'arrive, Isa, j'arrive. Je t'attends. Ah, on a failli le rater. Je crois qu'on est en tête, Isa. Ouais, en tête de queue, tu veux dire?
Ah non, mais non, mais pourquoi on s'arrête là? Tu m'as dit que ça arrive tout le temps, ça. Hein. De s'arrêter? Ouais. Ah, qu'est-ce que je t'avais dit? Ah, mince, ça bloque. T'avais dit quoi? Connaissais-je arrêter? Une pelle, si arrêter je égale pelle. Suis-moi dans la chambre, bébé, je crois. On l'a pas fait. Et toi, le nez, quand te reverrai-je, pays merveilleux? À l'aide! Tu m'impressionnes vraiment. T'as vu? Ah ouais. Non, moi, j'ai à la montagne. Seulement, moi. T'es bon, mais en plus, t'es stylé, tu vois, et on sent que. Bah, que tu gères, quoi. Tu m'avais caché ça. La vie m'a surdosé de talent, j'ai plus rien. Je dois t'avouer un truc, c'était juste pour te motiver pour la course, hein, donc détends-toi. Bien sûr. Oui. T'es pas la première à me dire ça, j'y crois plus, t'inquiète. T'as envie. Ça va, Maïsa? Prépare le cadeau ici, comme ça on est tranquille, on a un beau cadeau. Fais attention aux stalactites, hein. Ouais. Attends, tu veux que je t'aide à la mettre? Tu y arrives? Ça va. Mais doucement pour pas en mettre partout. T'arrêtes pas une goutte? Je vais mettre un peu de neige dedans. De la choupette. De la choupette. Oh. Et dis donc, je vois le Montpellier. Franchement, à l'originalité et bien réfléchir, c'est un beau cadeau. Et en plus, ça vient vraiment du cœur. Pas, pas que. Non. Ah, mais ça, on est le premier, Jean-Mi. Vous êtes les premiers arrivés. On a un cadeau. On a un cadeau. Manon et Estelle. Salut. C'est mon cadeau, c'est vrai. Manon et Estelle, deux jours. Mon cadeau, je vous embrasse. Mes chéris, merci. De toi. Merci, mes amours. Mes chéris, de toi. Mettez-vous là. Et Nora, et mon Jean-Luc, qui est là, mon Jean-Luc chéri. Oui, vas-y. Vas-y, mon Jean-Luc chéri d'amour. Est-ce que vous avez le cadeau, les chéris? Chapka, merci mes chéris, une chapka magnifique. Ah, Benjamin, ils ont rien compris, vous voyez que je suis là. Vous êtes le troisième binôme. Est-ce que vous avez le cadeau, les chéris? Ouais. Oh, j'adore. Ah, ah j'aime beaucoup. Montagne, j'aime beaucoup. Soda, ressources, sucre. Bravo. Vous êtes donc qualifiés, les chéris, c'est bon. Bonjour, bonjour, excusez-nous, c'est à vous les motoneiges? Alors, écoute, regardez, voilà, nous on travaille pour Cyril Hanouna, Valérie Benaïm, Capucine Anab. Est-ce que vous nous aimez bien? Oui, on vous adore. Oh, vous êtes super gentils, alors vous allez nous sauver. On est hyper en retard pour un jeu. Est-ce que vous nous laisseriez passer? Mais dis donc, Gilles! Non, bon d'accord. Il n'y a qu'un motoneige qu'on doit rattraper le retard, je vous en supplie. C'est vrai? Oh, vous êtes trop gentils, merci, merci, pas c'est vrai? Écoute, je suis contente d'être en binôme avec toi. On est bien, tous les deux. Parce que t'es un super mec. À part ça, je suis désolée, je m'en fous d'être dernière. Allez, à fond! Wouh! Allez, faut toucher quoi? Viens! En attends, Léo! Merci beaucoup, Jean. Va, faut vite aller toucher le bateau! Dépêche-toi! Ah! Viens, viens, chérie. Mais cours, il est où? Putain de sérieux! Viens, on va gagner, viens! Qu'est-ce que tu fais? Je prie. Ah non, mais... Non, non, mais calme-toi, calme-toi. Merci, mes chéris. Putain de sérieux! Est-ce que vous avez le cadeau, les chéris? Oui, on te le donne maintenant? Oui. Tiens. Merci. C'est quoi, ça? Alors, eh ben... C'est une bouteille d'urine des montagnes. C'est pour montrer que t'as des chroniqueurs sains et que t'es en train de temporalité, tu peux laisser pisser deux gouttes de moi le reste de Gilles. Du pipi de montagne de loup. T'as pissé comment, toi? Alors, avant de partir... Avant Isa et moi pendant. Et voilà. Alors, j'en ai mis un tout petit peu, Cyril. Tu vois que je suis un porteur sain, un chroniqueur sain. Je t'embrasse. Vous êtes qualifiés, Gilles et Isabelle. Oh, merci. Bravo. Merci. Derrière, Capucine, c'est Valérie Benaïm. Vous êtes les dernières. Est-ce que vous avez le cadeau, les filles? Oui, oui, c'est moi qui... Tenez, c'est quoi le cadeau? Ce de ma gueule, échantillon gratuit, mais peut être vendu sur la tête de ma mère. Bah, on n'avait pas d'argent. Non, non, mais ouais, mais personne n'avait d'argent. Ils ont tous ramené des cadeaux. On avait finalement trouvé des préservatifs. On a trouvé des mini-préservatifs pour des mini-zizi. J'adore. Mettez-vous là-bas. Les chéris, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Vous ne serez plus que neuf dans un instant. Oh non! Pour concourir pour 10 000 euros. Quoi? Que vous offrirez à l'association de votre choix. Oh, trop bien! Il y aura une grande finale en direct sur le Prat. Oh, sérieux? Et l'équipe qui aura eu le plus beau cadeau aura le droit à une vie.
le plus beau cadeau pour moi, c'est celui de Gilles et Isabelle. Sérieux? C'est le plus beau cadeau. Gilles et Isabelle, vous avez donc une vie. Je crois que notre cadeau lui a vraiment fait plaisir, hein. Ça s'est vu dans ses yeux. Alors écoute, j'avais déjà fait chambre commune, mais urine commune, ça j'avais encore jamais fait. Je suis content d'être ta première fois. Ça me fait plaisir. Sachez qu'à l'issue de cette épreuve, déjà, une personne nous quitte. C'est la personne qui est arrivée la dernière au sommet. Valérie Benaïm, vous rentrez au chalet, ma chérie. Je vais vous faire un gros bisou. Ça me fait beaucoup de peine. Ils ne sont plus que 9 maintenant. Valérie, je vous fais un gros bisou. Merci. Bravo, 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 Valérie. C'est tout, bravo. Eh oui, on a perdu Benaïm. On a perdu Benaïm, les chéris. Mais non, Benaïm, vous la retrouverez au spa tout à l'heure, Loni. Ouais. Comment vous avez eu l'idée de l'urine? J'ai pas compris. Ah bah ouais, c'est Gilles. En fait, c'est Gilles. On a un beau pipi. Et spécialement en altitude. Donc je me suis dit, il faut utiliser notre potentiel. Et je savais que ça vous ferait plaisir. Ouais. Je sentais que vous seriez heureux avec la bouteille. Vous avez bien senti ce qu'on dit. Moi, j'étais contre au début. Hein. J'ai aimé l'originalité. Mais oui, c'est ça. C'est donc... ça qui vous a fait choisir le pipi. Ouais. Oui, ah oui, c'est un peu inquiétant quand même. Le pipi, c'est original. Ah oui. Et le mini préservatif pour le mini zizi. Eh ben, ça ne vous concerne pas. Et je ne vous raconte pas sur la piste tous les gens qui s'attroupaient pour le regarder. Mais que fait ce mec? Merci, c'est une belle anecdote, merci. Non, ça rebooste bien. Vous auriez choisi quoi, Mathieu, comme beau cadeau? Pour vous? Oui. Mais le plus beau cadeau. Ah, comme plus beau cadeau? Non, moi j'aurais pris les... vous connaissez, enfin, moi j'aurais pris les balistos et tout ce qui se mange. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui. Surtout pas l'urine de Gilles. Alors, vous avez vu, pendant cette première épreuve, parce qu'après, il y aura plein d'épreuves, hein, vous allez voir les deux finalistes qui vont être les deux finalistes, vous avez vu que Caroline et Jean-Michel, ils s'entendent bien. Ah. Ils s'entendent bien, et bien ils s'entendent de même mieux que ce que vous pensez. Quoi? Regardez. Caro et Jean-Mi, première. Bien sûr. Ah, Carole me fait des petits massages, c'est bon ça. Le problème de Carole, c'est qu'elle est tellement chaude, elle fait fondre la neige autour de nous. Là. On est sur l'herbe. Je passerai ma vie sur une moto avec toi. Tu sens les cuisses qui serrent les jambes? Ah, j'adore. C'est musclé. T'as une forme olympique. Ah, mais j'ai soif, tu pourrais prendre une bouteille. C'est un leader, tu vois, parce que là, je me sens protégée. C'est vrai? J'ai l'impression qu'on peut tout gagner. On va tout gagner. Non, mais toi, t'es un peu de l'homme idéal, en fait. Ah, je l'ai toujours dit. T'assures à la mer, à la montagne. Mais oui, partout, je suis polyvalent, moi. Sur terre. 4-4, quoi, je suis le 4-4 de l'amour. Ouais, on sent que t'es courageux, quoi, que t'es là. Je peux skier sans gants, on me fout. Attends, vraie question. Je sais qu'à Paris, tu portes pas de jeans et tout ça. Là, t'es marrant? J'ai mis un caleçon molletonné. T'as pas de... Si, j'ai mis un caleçon molletonné. Un caleçon, d'accord. Molletonné, en polaire. Bien. Caleçon polaire, en dessous, il y a Yeti. Ah, qu'est-ce que tu avais dit? Ah, mince, ça bloque. T'avais dit quoi? Connaissais-je arrêté, arrêté égale pelle. On l'a pas fait. Jean-Luc, tu me donnes le papier. Alors, déjà, je vois Jean-Michel. Ouais! Qui dort avec Jean-Michel. Celui qui dort avec Jean-Michel. Et Caro, j'ai envie de ne pas dormir. Tête bêche, c'est sûr. Sur la tête de ma mère, Caroline. Ouais! C'est pas une balle. Jean-Luc, t'es un génie. Ah, quand ça sourit, ça sourit. Allez, vous dormez, vous vous mettez là-bas. Vous vous mettez là-bas. Mais c'est quoi là-haut? C'est des lits doubles? Il y a des chambres de ouf là-haut, c'est ça? Ah non, on change pas, hein, maintenant, c'est fait. Hein, là. Tu sens bon ou pas? Moi, je reste. Tu sens un peu le cheval. Les chéris. Tu sens un peu le cheval. J'ai un truc à vous proposer. Sinon. Ça, c'est la montagne. Sinon, venez avec moi. Mais je crois que c'est une forme d'intelligence. C'est qu'en fait, tes mots dépassent ta pensée. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu penses plus vite que tu ne parles. Sérieuse, là? Je suis hyper sérieuse. Et ça, c'est un point en plus pour Jean-Luc. Bien sûr. C'est ça, non, sur les sous-bouilles. J'ai lu ça. C'est quelle chambre? C'est pas une chambre, c'est une suite. Caro, tu demandes à Jean-Mi, t'es quelle chambre? Non. Bonjour. Ah non, elle a dormi chez Jean-Michel. Ouais. Non,
Caro, si vous n'étiez pas avec quelqu'un, ça aurait pu être votre style ou pas? Mais vraiment. Non, mais déjà, j'ai toujours dit, et c'est vrai que là, au ski, c'est pas facile d'être beau au ski. Ouais. D'avoir le style, d'être dans une doudoune avec un bonnet, machin. C'est vrai. Et j'ai halluciné. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Il est encore plus canon que. Et Jean-Mi, vous pourriez faire une histoire sérieuse avec Caroline si elle n'était pas. À tout de suite. Tout de suite, là. Tout de suite maintenant. C'est pas possible. Je suis prêt. Non, mais elle est déjà prise. Mais je sais. Ah bah si, je signe tout de suite. Ça aurait pu être Madame Mère. Ah oui. Madame Mère. Bah, Madame Mère. Ça pourrait être la Madame de tout le monde, elle est sublime. D'accord. Bah. Comme d'autres, hein, comme Valérie, comme Enora, comme Isabelle. Non, mais c'est vraiment votre style de femme. Oui. Ouais. Bah, je trouve qu'elle est sensuelle. Oui, bah c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'elle est. En plus, elle vous aime beaucoup. Je sais pas. En tout cas, je sais pas de quoi sera fait l'avenir, mais j'espère que voilà, Jean-Mi, vous avez trouvé quelqu'un du même style que Caro. Vous avez une sœur, non? J'ai une sœur. J'en ai même deux. J'en ai même trois. Trois sœurs. Et bah, donnez-lui les trois, ça suffira. Merci. Non, mais c'est bien, c'est important. Allez, les chéris, on va continuer voilà, la compétition. Et vous allez voir qui va être le prochain éliminé. C'est parti. Vous savez que j'ai une passion dans la vie, le ping-pong. Jamais vous n'avez fait un ping-pong dans ces conditions. On a combien d'altitude là? 2465. 2465 mètres. Eh bien les chéris, c'est très simple. Vous allez faire une tournante de ping-pong avec vos chaussures de ski. Le grand vainqueur désignera celui qui quittera l'aventure. Je vois une petite table de ping-pong, normalement je suis très bon au ping-pong aussi. Donc d'ailleurs, je me demande en quoi je suis pas bon d'ailleurs. Quand je réfléchis comme ça, plus ça va et plus je me dis que je suis bon en tout quoi. Attention, 3, 2, 1. Benjamin Castaldi, vous êtes éliminé du ping-pong. C'est toujours étonnant quand les mecs au top, les meilleurs, se retrouvent éliminés. On se demande pourquoi, comment c'est possible. C'est parce que d'autres ont beaucoup de chance en fait. Merde. Capucine est éliminée. Enora, vous êtes éliminée. Ah, merde. Isabelle, vous êtes éliminée du ping-pong. Caroline est éliminée. Je le sens très bien sur Jean-Luc, moi. Ouais. Mokhtar est éliminé. Jean-Michel est éliminé. Ouais. Jean-Luc est en finale face à Gilles. Aïe, 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 aïe. Allez, attention. Est-ce qu'il faut tourner ou pas? Jean-Luc est en finale. Non. Mais regardez la question de Gilles. Est-ce qu'il faut tourner ou pas? C'est pas possible. Bah non, Gilles. Mais c'est pas possible, Gilles. On peut pas tourner? Non, mais réfléchis. Comment tu veux tourner à deux, mon chéri? Je demandais. C'est pour bien connaître les règles. Attention, la finale se joue en deux points gagnants. Ça joue très, très bien. Ça joue, hein. Bravo. 2400 mètres. Ça joue bien. Il gère, hein. Attaquez, les gars. Bien, Jean-Luc. Oh là là, c'est bon. Mais Gilles, c'est bien. Niveau de ouf. C'est incroyable. Je viens de changer d'avis. La finale se jouera en un point. C'est donc Gilles le gagnant. Bravo. C'est Gilles. Ouais, magnifique point. Bravo, Jean-Luc. Bravo. Il a été formidable, mon Jean-Luc. Et Gilles aussi, exceptionnel. Bravo, les chéris. Bravo, Gilles. L'épreuve du ping-pong a rendu son verdict. Et c'est mon ami Gilles Verdez. Bravo. Qui a été exceptionnel parce qu'ils ont fait un échange fabuleux entre lui et Jean-Luc. Gilles, vous allez devoir donner la balle de ping-pong à celui ou celle que vous éliminez. Est-ce que vous allez faire une élimination stratégique ou bien est-ce que vous allez éliminer quelqu'un dont la gueule ne vous revient pas? Honnêtement, Cyril, si je devais éliminer quelqu'un dont la gueule ne me revient pas, j'éliminerais presque tout le monde. Donc, je vais faire une élimination stratégique parce que vous avez vu, je suis là pour gagner. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à dire à Gilles avant qu'il n'en élimine un? Jean-Michel. Qu'il est merveilleux, c'est un formidable concurrent, qu'il a super bien joué, il mérite sa place largement. Caroline. Je l'ai toujours aimé, il le sait profondément, j'aime son physique, j'aime sa gagne, j'aime tout. Ils sont prêts à dire n'importe quoi. Continuez. Je ne suis pas un danger, je fais moins d'1m60, il ne m'éliminera pas. Jean-Luc. Je te trouve très beau avec ton cache-nez.
Merci. Benjamin. Bah, Gilles et moi, c'est une grande histoire d'amour, donc je me sens vraiment totalement en sécurité. Retard. Non, avec... je suis serein avec lui. Isabelle. Moi, je l'ai aimé, je l'ai prouvé. Capucine. Moi, je suis pas du tout en danger, donc je pense pas qu'il va m'éliminer. Gilles, c'est parti. Alors, la personne que je vais éliminer est une personne qui, depuis le début de l'aventure, est redoutable. Redoutable sur les skis, redoutable dans le comportement, une personne qui est là pour gagner. Et c'est une personne qui, dans sa déclaration, a été l'une des plus hypocrites. Donc je vais lui remettre cette balle. Caroline, je te remets cette balle. Et je t'élimine. Caroline est éliminée. Je pensais à Benjamin. À moi, je pensais Caroline, moi. Vous prenez vos skis, vous prenez vos bâtons, vous venez me rejoindre. Chialer. J'attendais de Gilles beaucoup plus de courage, beaucoup plus de challenge. Peut-être c'est dû à son âge, il a préféré jouer la lâcheté. Il m'a éliminée parce que j'étais la plus forte de l'équipe, donc je suis très énervée contre lui. Caroline, c'est vrai que c'est une adversaire redoutable. Sur les elle skie bien, elle est très aimée de ses camarades. Jean-Michel veut la ken, donc ça fait plusieurs choses. Non mais vraiment, ça fait plusieurs choses, voilà. C'est stratégique. Voilà. C'est stratégique. Caroline, Gilles vous a éliminé. Caroline. Partez et ne revenez plus. Bravo, Caro. Mes chéris, la prochaine épreuve, elle est simple. Simple quand on est seul. Mais compliquée quand on est à deux. Épreuve de luge. Les binômes. On aura Isabelle, Isabelle et Capucine, le deuxième binôme. Et Nora. Qui sera avec Gilles. Ouais, bravo. Et attention, voici les deux dernières équipes. Mokhtar et Jean-Michel. Ouais. On aura donc un dernier binôme constitué de Jean-Luc et Benjamin. C'est parti, on se retrouve à la luge. Si vous nous rejoignez les chéris, c'est extrêmement sérieux, ils étaient à fond dans la compétition. Ouais, fond, aussi, hein. Ils étaient comme des fous parce qu'ils feront gagner énervé. 10 000 euros, celui qui va gagner tout à l'heure. Parce qu'il y aura la révélation en direct. Le gagnant, il y aura une dernière épreuve en direct pour les deux finalistes. Eh bien, il ou elle fera gagner 10 000 euros à son association. Valérie Benaïm, donc vous avez quitté l'aventure, vous étiez dégoûtée. Ah, mais j'étais vraiment très énervée parce que je ne comprends pas encore une fois que vous ayez préféré le pipi. Bah oui, mais ça j'aime bien le pipi. C'est une voilà, il faut que vous le mettiez en tête. Vous en voulez à Gilles à fond. Et franchement, on n'est pas souvent premier dog, mais là, j'étais premier degré. Déjà, j'étais surprise parce que franchement, je pensais que ça allait tomber sur Benji. Ouais. Ouais, après, je me suis dit, non, mais trop facile que ça tombe sur lui. Et donc, je suis à la fois surprise, hyper déçue, triste. Je m'imagine la fin de l'aventure sans Jean-Michel. Ah. Et tout s'arrête. Et tout s'arrête. Elle, sur Jean-Mi. Hein. Elle est à fond. Hein. Ouais. Elle, sans déconner, elle est sur... On s'est retrouvé le soir à l'hôtel, t'inquiète. Oui, je sais, mais bon. Merci pour la musique, merci. Merci. Si vous nous rejoignez, on est en direct. Pourquoi avoir éliminé Caroline, la mchkina? Ouais. Les victimes de son talent, elle pouvait gagner. C'est vrai. Moi, j'étais là pour aller au bout. Et Benjamin j'ai vu... aussi. Oui, mais Caroline, je sentais qu'elle était déterminée sur les skis, elle était à l'aise. Effectivement, tout le monde l'aimait bien. C'était l'élimination maintenant ou sinon elle allait au bout. J'ai voulu m'en débarrasser. C'était stratégique. Et vous, je rappelle que vous avez une vie, Isabelle Morini-Bosque et Gilles Verdez. Maintenant, c'est l'épreuve de la luge. C'est parti. Les petites merveilles. Regardez là-haut et vous allez voir... les objets avec lesquels vous allez descendre. Je vous ai dit tout à l'heure que vous seriez en binôme et je vais vous expliquer pourquoi. Ronan. Putain, c'est un baquet. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette bête. Mais c'est quoi? Cette petite bête. Cette petite bébête qui monte, qui monte, qui monte. Ça s'appelle un Yooner. 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 Ouais. Vous serez un par un dessus. Mais attention, comme vous êtes en binôme, il faut passer les deux la ligne d'arrivée. S'il y en a un qui arrive premier et l'autre dernier, c'est donc l'équipe qui est éliminée. D'accord? Vous allez partir, vous allez récupérer vos Yooners en haut. Oh, j'ai pas envie de perdre, j'en suis. Et l'équipe qui terminera dernier sera éliminée. Je me sens très mal, ça. Je me sens très très mal aussi, ouais. Surtout si on part en même temps. Bah, c'est ça qui est drôle. Là, quand le bateau sera planté, vous partez. Attention, soyez prudents. Ne foncez pas les uns sur les autres. D'accord? Soyez bons. Si j'en vois un commettre une infraction, il sera éliminé d'office. Attention. J'ai peur. Ah!
efficace quand même. C'est pas mal, putain. Gilles, avance. Avance. Ah, ah putain. Jean-Luc est bientôt arrivé. Benjamin, je crois. C'est Capucine qui passe la ligne d'arrivée en premier. Capucine, viens me rejoindre. Enlève ton lunaire. Gotthard, avec toi. Gilles, c'est bon. Ça se joue entre Isabelle et Mokhtar. Et Nora va arriver. Et Nora qu'avec Gilles. Allez, Isa. Pédale, Marino. Pédale, ouais. Isa. Allez, Isa. Mokhtar, mets-toi vers l'avant. Attends. Mokhtar, mets-toi vers l'avant. Alors, si tu demandes l'arrière, ça freine. Mokhtar qui est avec Jean-Michel. Oh putain. Allez, Mokhtar, c'est pas Mokhtar, moi. Mokhtar, allez, vite. Mokhtar, luge. Une luge. Dépêche-toi, Mokhtar. Allez, Mokhtar. Oui, à l'arrière. Je suis mort, attendez. Allez, vas-y. Allez, mon Mokhtar, c'est pas fait. C'est pas, il faut passer tout le corps, mon Mokhtar. Allez, encore, avance encore. C'est oui. Bon. Voilà. Mokhtar est passé. Isabelle est dernière de cette épreuve. La luge, a priori, ça me fait pas peur. Sauf que là, paf, première base, je saute en l'air, je retombe sous le coccyx. Ah, putain. Une douleur fulgurante. Et là, je décide de préserver le fondement. La course, je m'en fiche. C'était physique, hein. Oh, ouais. Putain. C'était physique, on croit pas comme ça, mais c'est très physique, ouais. Le Lunaire. Et Nora et Gilles, c'est réglé pour vous, vous êtes tous les deux qualifiés. Et Gilles, vous conservez votre vie. Ouais. Pour dire que vous êtes très très bien parti pour être en finale en direct à Paris. Mokhtar et Jean-Mi, vous êtes passés également. Jean-Luc et Benjamin, mais ça passe pour les deux. J'ai une très mauvaise nouvelle, Capucine est arrivée première, mais malheureusement, sa coéquipière, Isabelle, est arrivée dernière. Ouais, je suis tombée. Et comble du comble, Isabelle a une vie. C'est-à-dire que Capucine, tu peux d'ores et déjà prendre tes skis et tes bâtons, puisque tu es éliminé. J'ai pris un très bon départ sur le début d'épreuve, il n'y a rien qui a cafouillé, j'ai tout donné, je suis arrivée première. Ce qui a cafouillé, c'est mon binôme, c'est Isa. Voilà, j'étais avec la plus âgée, entre guillemets, donc c'est normal qu'elle soit arrivée en dernière. Capucine, merci ma chérie. Salut Capu. Isabelle, venez me voir, puisque vous allez avoir la lourde tâche de devoir éliminer quelqu'un. Isabelle, pour éliminer quelqu'un, je vais vous donner Sooner. Et vous allez devoir le mettre devant la personne que vous souhaitez éliminer. Ah, je croyais dedans. Non, devant. Dedans, ça sera peut-être pour plus tard. Vous nous direz après pourquoi vous éliminez cette personne. Alors. Je le fais et j'explique donc après. Donc, je le fais sur toi, Mokhtar. J'élimine Mokhtar parce que c'est celui qui est arrivé dernier avant moi et que j'ai un grand esprit de justice et c'est encore plus injuste d'éliminer l'un des autres qui est arrivé avant Mokhtar, qui sont tous arrivés avant Mokhtar. Donc les deux derniers, c'était Mokhtar et moi. Comme hélas, je ne peux pas m'éliminer, j'élimine Mokhtar. C'est uniquement pour cette raison. Je suis désolée, Mokhtar. Pas de soucis. Oui. Merci. Mokhtar, vous prenez vos skis. Tu prends tes skis, Mokhtar. Tu prends tes bâtons. Et Mokhtar, malheureusement, tu quittes l'aventure. Mokhtar, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Isabelle ou à l'ensemble de l'équipe? Non. En fait, je suis vénard de ouf. Je pensais gagner avec mes 130 kilos, mais en fait, bah non. Avec mon poids, je suis resté tout derrière et c'était là qu'il y avait le frein. Je l'ai joué au mental. Pour moi, j'ai pas perdu, je m'en fous, je suis pas arrivé dernier. Isabelle, elle m'a éliminé, elle est relou aussi, celle-là. Toujours à se plaindre et elle est encore là. J'espère qu'elle va être éliminée au prochain tour. Hein. Vous n'êtes plus que 6 maintenant, l'étau se resserre. Et la prochaine épreuve, c'est une épreuve qui se passera encore en binôme. C'est une épreuve d'orientation. Alors attention, on aura Gilles et Jean-Michel. Vous allez faire équipe ensemble. Top. Et Nora qui sera donc avec... Jean-Luc. Benjamin. Ça va. Et on aura enfin Jean-Luc avec Isabelle. C'est bien, t'as la win, toi, je sens. Je suis désolé. Les chéris, on se retrouve tout de suite sur le site pour que je vous explique l'épreuve. C'est parti.
que vous passez un bon moment avec nous. Eh, ça me fait beaucoup de peine parce que personne ne voulait être avec Isabelle Moschkina. Personne ne voulait être avec vous. Arrêtez avec l'âge, parce que je rappelle qu'il y a 2 ans, j'ai fait la Saint-Étienne-Lyon, 48 km en une nuit entre Saint-Étienne et Lyon, et je ne suis pas sûre que quelqu'un ici l'aurait fait. C'est vrai. Merci. Si vous nous rejoignez, elle vient de se réveiller. Merci. Mais merci d'être là, en tout cas. Jean-Luc, vous êtes un petit peu déçu d'être avec Isabelle. C'est pas ça, mais vu ce qui s'était passé, la pauvre Capucine, elle avait été virée parce que, en binôme, ouais. Je me suis dit, je suis prochain sur la liste. Ouais. Donc j'ai eu un petit peu peur. Ah, mais après, j'adore Isabelle. C'est sûr, on va voir l'épreuve d'orientation dans un instant. Et Nora, apparemment, c'était tout sauf Isa. Ah non. Si. Oui, voilà. Oui. Eh, Mokhtar, vous détestez tout le monde, j'ai l'impression. Ouais. Ah. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Quoi? Non, j'aime tout le monde, en fait. Bon. À part Delormeau. Mathieu, ça vous plaît parce que vous êtes le spectateur? Je suis beaucoup, mais en revanche, je n'ai pas compris les raisons d'Isabelle quand elle expliquait pourquoi elle a éliminé Mokhtar. Ah bah, non, mais nous, c'est parce qu'il est arrivé avant de relance pas, relance pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez éliminé Mokhtar? Bah, attends. C'était nounou ou quoi? Sans doute, j'ai rien compris. Il est arrivé avant-dernier, j'allais pas éliminer. Et comme moi, je suis juste, je vais pas éliminer celui qui est arrivé premier. J'aurais bien voulu garder Capucine, mais la loi ne le permettait pas. Et sinon, après, j'allais pas éliminer les autres. Ils sont arrivés tous avant Mokhtar et moi. C'est logique. Ah oui, c'est logique. Est-ce qu'elle peut nous réexpliquer? Oui. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes... J'ai pas compris. Je suis balance, donc juste. Et donc, j'ai éliminé l'avant-dernier, parce que c'est normal, c'est logique. Ah ouais. C'est juste. C'est moi, ouais. C'est même pas une blague, je comprends pas. Mais c'est pas la défense. Tu t'es arrivé juste avant elle. Voilà. Mais même moi. Tu peux pas comprendre, tu penses jamais aux autres. Oh, oh là là. Isabelle. Allez, salut. Apparemment. Isabelle. Dans un instant, vous verrez l'épreuve d'orientation. Mais là, j'aimerais qu'on s'intéresse à Valérie Benaïm. Valérie Benaïm, vous étiez tranquillement au spa. Oui. Et je vous ai rejoint puisque vous avez intégré l'équipe du spa. Bien sûr. Et je me suis joint à vous pour faire quelques massages. Oui. Et regardez, on a pris une cliente au spa. Elle n'a pas reconnu Valérie Benaïm, elle ne connaissait pas Valérie Benaïm apparemment. Non. Et... elle n'a pas reconnu Cyril non plus. Ça fait rire, non, oui. Alors, et vous allez voir, elle va avoir droit à un massage très particulier. C'est parti. Charge une. There's a place I go to when no one knows me. It's not long. Tiens. Bonjour. Vous êtes française? Oui. Française, super. Bonjour. Vous allez bien? Merci. Vous êtes mis en maillot, c'est formidable. Est-ce que vous avez déjà choisi votre soin? Non. On est en train de tester plein de petites nouveautés. Il y a le massage oriental que je vous recommande, qui est absolument formidable. Si vous voulez vraiment vous relaxer, vous êtes à Djerba, quoi. C'est génial. On a le soin rêve d'Arissa, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? L'oriental. L'oriental? Oui. D'accord, mais je reviens, je vais chercher la personne qui est spécialiste. Oui. Vous vous allongez sur le ventre. Massage oriental, la meuf. Donc oriental, je te propose de... Bon, on va démarrer. De partir sur un peu d'huile... Non, il faut mettre du couscous. Ouais, du couscous, ouais. Assistante. Attention, cela, madame. Bonjour. Bonjour. Si. Relaxez-vous, hein, détendez-vous. Relax. Monsieur Eslav, il vient de Russie. D'où tente. Le retour veineux est facilité comme ça. C'est une spécialité de Vladimir. Vous sentez comme les jambes sont plus légères? Oui. C'est impressionnant comme technique, mais je vous assure que vous verrez la différence. C'est la deuxième partie du massage. Vous boulez? Oui, vous boulez. C'est un petit peu le principe du massage avec les pierres chaudes. Mm-hmm. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon? Beaucoup. Ah oui, bien sûr. On passe au troisième stade.
Pour vous. Ça vous détend, non? Oui. C'est particulier, je reconnais, mais vous verrez les bienfaits. Hein. Bonjour, famille. Les énergies. Les énergies, c'est bien ce que je pensais. Vous souhaitez le réel plan. On a voix. Colanta. On a voix. Colanta. Avec moi. On va répéter avec lui. On a voix. Colanta. Un peu plus fort, un peu plus fort. On a voix. Colanta. C'est un soin oriental en musique. Aïcha. Attention. Vous dites juste Aïcha. Comme si je n'existais pas. Aïcha. Il est passé à côté de moi. Aïcha. Sans un regard, plein de sabbat. Merci. Nippel, Bijou. Nibi quoi? Bijou. Nibijou. Comme Nibi joue ici. Un applaudissement pour Valérie Bélaïm. Je vous jure, j'ai failli pleurer avec Valérie Bélaïm. Mais vraiment, et la jeune fille, je crois qu'elle est dans le public ce soir. Je crois que Julia, elle est là, elle est dans le public. Julia, elle est où, Julia? Julia, mais franchement, et je me suis dit, j'avais peur qu'elle me reconnaisse à un moment quand elle était. Donc j'ai pris la plante. Unawa, Ulanta, Unawa. Les bandes de malades. Ulanta. Et Julia était une vraie cliente, vraiment. Ouais. Et très patiente quand même. Vous êtes fabuleuse, vraiment. Pas, quoi. Julia, vous êtes exceptionnelle et je vous offre un an de spa. C'est pour moi, c'est cadeau. Wow. C'est normal. La plus talentueuse dans cette équipe, c'est quand même Valérie Bélaïm. C'est le retour veineux. J'essayais de me concentrer et de pas écouter ce que vous faisiez. Je crois qu'on va la repasser un petit peu tout à l'heure. Et merci Julia, vraiment, vous avez été formidable. Ça donne envie de lire ton blog. Ça, c'est notre vie, ça. Non mais c'est Mathieu, vous avez douté en fait, vous êtes. Mais vraiment, je n'arrêtais pas de me dire, mais c'est une vraie cliente. Ah ouais, c'est une vraie cliente. La Mushkina, la pauvre. Voilà. La patience qu'elle avait, la pauvre. Merci Julia, je vous fais un gros bisou et Julia, un an de spa, c'est pour ce cadeau. Hashtag TPMP fait du ski. Vous pouvez gagner le ski à vie, les chéris. Continuez à tweeter, Sachez qu'on est deuxième TT Monde, juste derrière Donald Trump. Non, c'est la folie. Les chéris, la compétition continue. Et maintenant, c'est l'épreuve d'orientation en binôme. Attention, cette épreuve, je peux vous dire, elle est folle aussi. Et elle nous réserve beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises. C'est parti. On va maintenant passer à une épreuve d'orientation. C'est très simple. Vous voyez les trois bâtons là-bas. Les chéris, vous allez devoir en choisir un qui va avoir les yeux bandés. Et vous devrez le guider jusqu'à son bon bâton. S'il ramène un autre bâton, c'est perdu. Le dernier qui aura ramené le bâton fera que son équipe a perdu et un des deux sera éliminé. Bon, là, on doit aller trouver un bâton, les yeux bandés. C'est pas gagné. Jean-Luc et Isabelle, qui guide et qui va chercher le bâton? Par rapport aux ultrasons, c'est elle qui va guider. Voilà. C'est bien. Et Nora? Je suis la plus grande gueule du PAF, c'est le plus sportif, je guide, il court. Très bien. Jean-Mi? Je guide. Lui, il a des sens extrasensoriels et va trouver le chemin tout seul. Jean-Luc, Benjamin et Gilles, venez. Attention, c'est parti. Ok, tout droit, Benjamin. Tout droit, décale-toi légèrement sur ta droite. C'est bon, tout droit, continue. C'est bon, Gilles, continue, tout droit. Tout droit, Gilles, c'est bon. Tout droit, t'es bon. Tout droit, Gilles, continue, tout droit. Tout droit, Jean-Luc. Isabelle. Non, tourne un demi-tour à gauche, un demi-tour à gauche. Isabelle, t'es où? Tout droit, Gilles, c'est bon. À une heure, Gilles, une heure. Oui, oui,
À gauche, demi-tour, Gilles. Demi-tour, oui. Oui, Gilles, vas-y. Tout droit. Tout droit, Gilles. Non. Reviens en arrière. Je t'entends pas, Isabelle. Isabelle, je t'entends pas. Reviens sur tes pas. Voilà. C'est magique, ça déconnait. Benjamin, tu continues, frérot. Tu te décales sur ta gauche. Légèrement sur ta... Voilà, parfait. Et maintenant, c'est tout droit. Tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit. Fonce. Encore sur la gauche. Voilà, tout droit. Non, sur la droite. Fonce. T'es tout droit, mon Gilles. Bouge pas, t'es devant moi. C'est bon. C'est bon pour Jean-Michel et Gilles. T'es merveilleux. Tu l'as chopé tout de suite. Tu vas sortir deux poteaux. Tu prends celui de droite. Tu vas tomber. Voilà, prends ton bâton. À droite, voilà. Tu peux y aller tout droit. Voilà, tout droit, tout voilà. Droit, tout droit. Reviens en courant. Reviens en courant, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout droit, putain, merde, tout droit. Ça avance, ça avance, ça avance. Maintenant, tu te tournes. Avec mes tours à gauche. Tu vas tout droit, tu me fais un sprint. Non, de l'autre côté, merde. Vas-y, tout droit. Voilà, comme ça. Avec mes tours à droite. Avec mes tours à droite. T'es à 3 cm de la ligne d'arrivée, tout droit. Encore, 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 encore. Ouais, c'est quoi? Plus vite, Benjamin. Voilà, viens, à tout droit, tout droit. Tu reviens où vous êtes, là, là, là. Voilà. Et là, tu descends. C'est bon, c'est gagné pour Jean-Luc et Isabelle. Putain, on a perdu. On a gagné? Non, on a perdu. Oh, vache. Énorme, énorme épreuve, mes chéris, énorme épreuve. Jean-Luc était très, 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 très mal parti. Putain, mais comment t'as cartonné, en et vrai? Jean-Luc, il est revenu, il s'est battu, mon Jean-Luc, il s'est battu. Isabelle, Jean-Luc, Jean-Michel et Gilles, vous continuez l'aventure. Gilles, en plus, il lui reste encore une vie. Une vie en plus. Gilles fait un parcours exceptionnel, ouais. Mon Gilles. Ouais. Et Nora et Benjamin, venez me voir. Un de vous deux va quitter l'aventure. Vous allez aller tous les deux chercher vos skis là-bas. Putain. Tanas. Les boules. Chier. Un de vous deux va être éliminé. La décision, elle va venir de vos coéquipiers. Non. Vous allez devoir choisir qui arrête l'aventure entre Nora et Benjamin. Et s'il y a égalité, c'est moi-même qui prendrai la décision. Isabelle ? Alors, j'ai choisi d'éliminer Benjamin parce que Nora, c'est la première fois qu'elle vient au ski et elle en meurt d'envie. Jean-Luc ? Benjamin, parce que on est presque vers la finale, donc il faut penser stratégique. Et bizarrement, même si je la respecte, je crains moins et Nora. Je peux le comprendre. Jean-Michel. Benjamin aussi. Gilles. Désolé, Benjamin. J'ai voté pour Benjamin aussi parce qu'avec Enora, on a fait un binou exceptionnel de you-you là sur la neige. Et ça s'oublie pas. Enora, vous pouvez aller ranger vos skis puisque vous continuez. Merci les amis. En revanche, Benjamin, je prends vos skis. Vous avez été. Il a été exceptionnel, mon bel Gilles. Ben voilà, j'ai été victime en fait de la coalition des anciens de TPMP parce qu'ils étaient là, les quatre, là, ce bande de tarbas là. En même temps, j'étais de loin le plus fort de la compétition, meilleur skieur, meilleur montagnard. Franchement, vraiment, je suis dégoûté. Voilà. J'espère qu'ils vont se casser quelque chose avant la fin de la compétition. Donc, surtout Isabelle qui a déjà le coccyx fêlé, si vous pouvez vraiment se casser pour de bon, ça m'arrangerait. Bravo Benjamin. Salut mon chéri. Eh, on t'aime Benji. Salut Benji. T'as été formidable, on t'aime mon chéri d'amour. Je t'oublierai jamais, moi. Je voudrais vous remercier, les amis. Merci du fond du cœur. Et Nora, elle est contente, Nora. Ouais, grave. Les chéris, la prochaine épreuve, c'est une épreuve de hasard total. Vous connaissez la courte paille? Oui. Ouais. Eh bien, on va jouer ensemble au court bâton. C'est parti. Venez. Eh oui. Ils ne sont plus que 5 à pouvoir prétendre gagner les 10 000 euros pour l'association. Jean-Luc, et Nora, Gilles en plus a une vie, Jean-Michel... Et vous, Isabelle Morini-Basque. Bien sûr, ma chérie. Et quel mauvais joueur, ce Benjamin. Ah non, je suis extrêmement sportif. Non, mais sans déconner. On l'a vu, tu cours à deux à l'heure. On l'a vu pendant tout le prime, là. Vous êtes un mauvais joueur. Je suis un joueur. Oui, c'est ça. Oui, mais mauvais. Mais non, je suis un joueur. Et un joueur veut gagner, pas perdre. Regarde, on dirait une petite biche. Oui. Moi, mon moment préféré, c'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc, regarde. On dirait qu'il va marcher sur la lune pour la première fois. On dirait que c'est l'homme qui a posé le pied sur la lune, sur la tête de ma mère. On a l'impression que t'as mis des chaussons à un chien. Tout oui, ça. Remettez-moi quand Jean-Luc il court avec le truc. Ça c'est ma... Regardez-le. Ah, j'en peux plus de ce mec, sans déconner.
La compétition va continuer, les chéris. Si vous nous rejoignez, vous vous demandez quel niveau ils ont au ski. Eh bien, regardez, on vous a fait une petite compile. Regardez, c'est parti. Putain, saloperie de merde. Merci d'être avec nous. On est en direct. Et Mathieu Delormeau qui n'était pas là, ça a passé une bonne soirée? Oui, très. C'est, vrai, bah, c'est sympa d'être venu. Hein. Bah non. Vous n'avez pas de télé chez vous? On vous a retiré la télé? Non, mais je ferai la saison 2 au ski. Avec plaisir. Alors, hey, dans un instant, je vous annoncerai quel va être le prochain défi que vous allez relever après le ski. Je vous le dirai ce soir. Ah oui, vous verrez. Ah. J'espère. Ah là. J'espère voilà. Que vous serez là. Vous passez une bonne soirée sinon? Non, vraiment. Vous voulez manger quelque chose, boire quelque chose? Bon, écoutez, je vais attendre la pub. Tout va bien, un petit pipi? Ça va? Non, merci, tout va bien. Eh bien, on va pouvoir passer à la prochaine épreuve. Attention, à l'issue de cette épreuve, vous ne serez plus que 4. Oui, je sais compter. 5 moins 1 égale 4, les enfants qui nous regardent. C'est parti. Fatigué. Ras le cul. Ouais. Ras le cul. Vous connaissez tous la courte paille? Ouais. Là, c'est le court bâton. 6 bâtons, les chéris. Yes. Celui qui aura le bâton le plus court sera éliminé. Je rappelle que Gilles a une vie. Honneur aux femmes, c'est Isabelle qui va venir chercher le premier bâton. Ah ouais? J'ai l'impression que c'est les plus de Merlin. Oh, le cul, la balayette. C'est un petit bâton que vous avez là. Vous avez l'habitude des petits bâtons? Par celui de Jean-Michel, non. Ah si, c'est très sympa. Et Nora, prenez un bâton et faites attention à ce que le bâton ne soit pas plus grand que vous. Le bâton vert, vous l'avez choisi. On dit que c'est souvent, ça porte pas chance dans le métier, le vert. Mais est-ce que ça va porter chance à Inora? Il a l'air long, ce bâton. Ah, il est long, mais grave long, magnifique. Yes. Ah, il est pas mal. Sûr qu'il est plus long. Allez, comparez votre bâton avec celui d'Isabelle. Ah oui. Inora, vous êtes donc qualifiée. C'est bon pour vous. Yeah. On va aller du plus jeune au plus âgé, Jean-Luc. Jean-Luc, allez-y. Vas-y, mon Jean-Jean. Ah, je suis poissard, ça, c'est vrai. Bah, t'inquiète pas, c'est doit être moi qui est le plus petit. Non, non. Pas sûr, Isard, pas sûr. Pas sûr, ah, ma belle. Oh là là, oh là, oh là. Il est long. Oh putain, il est long de ouf. Il est long, il est long, il est long. Oh, le bâton. Jean-Luc, le bâton. Vous êtes qualifié pour la prochaine épreuve. Yes. Je vais maintenant demander à Gilles. Vas-y bien, Gilles. Ouais, j'hésite entre celui-là et celui-là. Oh, il est grand. Oh la vache. Ah, c'est dingue, je suis d'accord. Bon, Gilles, vous êtes qualifié, ouais. En plus, il a une vie. Jean-Michel. Jean-Mi, allez, Jean-Mi. Bâton de berger, là. Allez, Jean-Mi. Oh, là, je sens pas. Oh là 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 là. Donnez-moi vos deux bâtons, Jean-Michel et Isabelle. Amenez-moi votre bâton. Aïe, 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 aïe. Je crois que t'as perdu. Mmh. Pas sûr. C'est le bâton d'Isabelle. Très peu. Non, je pense que c'est Jean-Michel qui gagne. Oh là 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 là, c'est une affaire de millimètres, là. C'est Isabelle qui a le plus petit bâton. Isabelle, vous êtes éliminée, ma chérie. Putain, je passe pas loin. C'est donc Jean-Michel, Enora, Gilles et Jean-Luc qui continuent l'aventure. Isabelle, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Venez me rejoindre. Putain, Isa, ma chérie. On t'aime, Isa. Elle a pris dès le départ le plus petit bâton, Isa. Ouais. Ma chérie, elle est déçue. C'est près de... Ouais, eh ben oui. Le dernier. Et ben, le dernier, vous savez ouais. Quoi, je suis déçue. Oh là. Parce ouais, que ça la gueule que vous bâton. Auriez... Allez-y, allez-y, parlez. La gueule que vous auriez fait si j'avais gagné. Bon, non, on aurait été contents, Isabelle. J'étais ravie d'être en binôme avec Gilles, qui a été formidable. J'étais ravie d'être en binôme avec Jean-Luc, j'ai adoré.
Et le Yuner m'a définitivement défoncé le derrière. Donc, je pense que comme sensation sexuelle, ça va suffire. C'était le plus long, elle a mis. Ah non, c'était le plus long, c'est celui. Vous avez entendu au moins ? Bien sûr. Oui, le Yuner m'a défoncé le derrière, donc comme sensation sexuelle, ça suffit pour la journée. Merci. Donc, je regrette pas, parce que j'aurais détesté perdre sur une épreuve, donc perdre au hasard, ça me va. Isabelle ? Oh, Isa. Vous voulez que je mette en boule pour dévaler la pente ? Bravo, allez, Isa, bon parcours. Fais-nous un bisou, Isa. Non, c'est bon. Bravo, Isa. Merci, Isabelle. Allez-y. Pardine sans amour. Eh oh ! Pauvre con ! Il y a toujours un truc à ne pas dire, c'est toujours pour l'autre bille, là. Vous n'êtes plus que quatre, les chéris. Prochaine épreuve, rapidité et ski. Car on va allier deux épreuves. Savoir s'habiller vite et savoir skier vite. On se retrouve tout de suite au télésiège. A tout de suite. Bravo, Isa. Isabelle, ma chérie, vous avez été formidable en plus. C'est parce que vous avez perdu quand même deux épreuves, parce que vous avez perdu la luge aussi tout à l'heure. Ouais. Ah non, mais la luge... Attends, je vous rappelle que je me suis fêlé le coccyx la veille, donc à la luge, je suis retombée sur le coccyx. Donc après, je vous dis, moi, je m'en fichais, j'avais trop mal. D'accord, merci, c'est une très belle aventure. Je voudrais dire à ma mère que, maman, non, je n'ai pas passé mon temps à jurer, juste quand j'ai eu mal. Donc, merci. Elle nous regarde, votre maman, ce soir ? Ben, j'espère qu'elle regarde pas. C'est vrai, elle, parce que là, il est 22h44. vous pouvez lui faire un petit coucou ? Ma mère, elle se couche à 2h du matin. Votre mère se douche à 2h du matin ? Elle travaille dans un... Elle se couche, elle se couche. Elle, je croyais sa mère. Je croyais qu'elle travaillait dans un sauna, sa robe, en fait. Non, c'est vrai, et demain, je vais faire le tour des commerçants du quartier en disant, je vous jure, excusez-moi, bien ça s'appelle TPMP, fait la mère d'Isabelle Morini-Basque, ou quoi? Non, non, mais elle va dire à tous les gens du quartier, je vous jure, je l'ai bien élevée, je ne l'ai jamais entendu jurer. D'accord, comme merci, ça. C'est un plus, très beau témoignage. Merci beaucoup. Capucine, je crois qu'il y a votre famille dans le public. Oui. Bah, merci, je suis content qu'il soit là. Voilà, je suis Et bah, alors, non, bah, Capucine, et bah, vous savez quoi, on va faire un jeu. Vous avez une minute pour retrouver votre famille dans le public. Merci. Allez, les chéris, il reste Jean-Luc Lemoine. Ouais. Et Nora Malagré. Mmh. Et Gilles Verdez. Gilles Verdez, en plus, vous avez une vie. Ouais. Tant dire que Gilles Verdez. Redoutable. Est très, 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 très bien parti. Il est redoutable, Gilles Verdez. La prochaine épreuve. Et moi aussi. Elle est folle. Ah, c'est mais il y a vous aussi. Bah oui. Désolé. C'est vrai que... Désolé. Il y a Jean-Michel qui est à fond. Mmh. Ah bah oui, ça. Vous avez remporté combien d'épreuves, là? Attendez, je regarde. Attendez, vous avez remporté... Bah, le premier en haut des pistes, l'orientation grâce à Gilles, une vraie chauve-souris. C'est vrai, voilà. Non, c'est vrai qu'il est, il est très fort. Hein, il est très bon, ouais. Jean-Mi. Ouais. Mais est-ce que Jean-Mi va aller au bout? Regardez, c'est parti. Vous n'êtes plus que quatre, les chéris. Et il reste deux épreuves avant la grande finale à... Bali. Sur le plateau de... CPMP. De qui? CPMP. Bravo, pas mal, vous êtes géniaux. J'adore. Ich liebe dich. Les chéris, c'est très simple. C'est une épreuve qui va allier dextérité vestimentaire et rapidité sur les skis. Vous allez partir, d'abord, les deux moins bons skieurs, Gilles et Jean-Luc. Vous devrez... dans le télécabine, vous déguisez et ensuite descendre la piste. Les deux autres partiront après dans un autre télécabine. Donc vous êtes un petit peu avantagé car vous êtes moins bon skieur. Moi, je suis nul. Vous avez un petit avantage. Le dernier arrivé sera éliminé et partira aux portes de la demi-finale. Je rappelle que Gilles a une vie. Les déguisements. On a d'abord un déguisement de Superman. Je vois bien Enora en Superman. Batman, on voit bien. Mon Jean-Luc, il aime bien Batman ? J'aime bien Batman. Allez, mon Jean-Luc en Batman. On a soit un Yeti, soit un Wonder Woman. Yeti ! Aïe, 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 ouais, mais Yeti, c'est très dur de skier avec le masque. Ah. C'est pour Jean-Michel ! Yeti, c'est pour Jean-Michel. Moi, je veux bien Yeti. Yeti pour Jean-Michel. Allez, Yeti pour Jean-Michel, et donc Gilles sera en Wonder Woman. Bravo Jean-Michel qui joue le jeu. Merci Jean-Mi. Jean-Mi, attention. Ne prenez pas de risque pour Jean-Mi aussi. Hein. Ah non. Si vous voyez que vous ne pouvez pas skier avec le masque, vous avez le droit de l'enlever. Merci. A tout de suite. Il n'y a pas de... C'est une cape. Par contre, l'arrivée de toi comme as... On y va. Allez les gars.
Jean-Michel est numéro 1. Bravo Jean-Michel. Jean-Michel est qualifié, c'est sûr. Maintenant, Gilles a une vie. Ouais. Et Nora est encore là, Jean-Luc est encore là. Si Gilles arrive dernier, étant donné qu'il a une vie, il devra éliminer quelqu'un. Si Gilles arrive avant, ce sera le dernier qui sera éliminé. Et il y aura ensuite une vraie demi-finale à 3. Et on aura la finale sur ce plateau pour savoir qui va remporter les 10 000 euros avec une épreuve. D'accord, les chéris? Ouais. Qui vous voyez, vous? Qui vous voyez gagner? Jean-Mi. Vous nous direz le début. Dans un... C'est vrai? Oui. Non, et Nora. Vous nous direz ça dans un instant, il prend le seul qui est qualifié. A tout de suite. Eh ouais, c'est-à-dire toute l'année, tu vas, t'as rien à foutre. Eh ben, tu sais, je cherchais mes skis. Chaque année, ils partiront au ski. Il va dire que je pars au ski. Mont-Genèvre, quelle belle station. Ouais. Ah oui. C'est un mont, c'est un jeu, c'est un Èvre, c'est Mont-Genèvre. Bravo. Ouais. Non, c'est sublime, hein. Oui, ouais. Merci, ouais. En tout cas, merci. Elle fait partie de l'office du tourisme. Cette petite jeune dame, on la voit pas derrière le comptoir, mais elle est contente. C'est génial. Merci, les chiens. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans l'aventure. Ils ne sont plus que trois. Quatre. 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 Que quatre pour l'instant. Il reste Jean-Michel Maire, Gilles Verdez, Enorama Lagré, Jean-Luc Lebrun. Oui. J'espère que vous passez une bonne soirée en notre compagnie. Vous n'êtes pas trop déçus de tout cela qui avait été éliminé? Ah, Valérie Benaïm, si. Franchement, ah, si, première éliminée, Valérie Benaïm. Ah, mais moi, j'ai été écœurée, j'y croyais pas quand vous l'avez mais dit. Mais vous êtes toujours écœurée de la vie. Parce que j'étais absolument persuadée. D'abord, je pensais qu'on part... si on partait, c'était le binôme qui partait, donc au moins que je ne sois pas seule. Ouais, non. Et en plus, franchement, je ne m'en remets pas. Cette histoire de pipi, je ne m'en remets pas. Mais oui, mais voilà. Voilà. Bon, mais Caroline, vous dégoûtez aussi? Bah, très, très énervée sur le coup. Maintenant, ça fait plaisir de voir les copains. Et au bout, il y a l'association, il y a la finale. Il y a 10 000 euros à gagner pour votre association. Mokhtar. Ouais, j'étais écœuré. En tout cas, la tenue de magicien, on va très bien. Merci. L'histoire disparaît plaisant. Si on n'a pas les images de, on a pas les images de Mokhtar au piou-piou. On peut pas revoir un petit peu le replay là, de Mokhtar au piou-piou juste pour ça. Et une petite chute de Mokhtar, voilà, pour le calmer un peu. Regardez Mokhtar, là, la chute de Mokhtar. Regardez si vous nous rejoignez. C'est parti. Ça va partir à un moment. Quand ça va partir, quand ça va partir les gars, c'est en direct, ça va partir comme un truc de ouf. Vous êtes toujours là Merci. Regardez Mokhtar. Je peux une compote? Mokhtar, il y a une compote par personne. On n'a pas le droit des compotes, il a des compotes. Hein, c'est soit moi, ça c'est à moi, et ça c'est à Noé. Tu m'as dit, tiens, garde-la, j'en veux pas. Merci, voilà, mais regardez, allez, voilà, allez, et Mokhtar, allez. Voilà. Allez. Voilà, et c'est passé, voilà, Mokhtar qui était très bien. Hein, sur... Valérie, malheureusement éliminée, ouais. Vous, Isabelle aussi. Isabelle, vous, pour l'instant, ce qu'on retient, c'est quand même le musher. Merci, voilà. S'il vous plaît, en régie. Merci. Merci. Le son, on aimerait bien avoir du son. Allez. Merci. Attention! Hé! Hey merci. C'est là, pardon, je n'ai pas ralenti. Benjamin dégoûté aussi. Franchement, je vous voyais aller très loin. Bah, moi aussi, je suis dégoûté au passage. Oui, je sais. En plus, vous êtes arrivée première. Mais à la oui. Ouais. Sur le coup, j'en voulais un peu à Isa, mais finalement. Culpabilisez-moi encore un petit coup. Merci. Je l'adore. Ça fait plaisir. Allez, on va voir qui s'est qualifié. Il va en rester trois dans un instant. On va revoir tout depuis le début, hein, dans ce magnéto, je vous le dis. Bon, Jean-Michel, vous l'avez vu, est passé en premier. Ouais. Mais qui seront les deux autres? Regardez, je rappelle que Gilles a une vie. Mmh. C'est parti. Vous n'êtes plus que 4, les chéris. Et il reste deux épreuves avant la grande finale à Bali. Sur le plateau de Stéphane. De qui? Stéphane. Bravo, pas mal. Vous êtes géniaux. J'adore. Ichli Bodich. Les chéris, c'est très simple. C'est une épreuve qui va allier dextérité vestimentaire et rapidité sur les skis. Vous allez partir d'abord les deux moins bons skieurs. Gilles et Jean-Luc, vous devrez, dans le télécabine, vous déguiser et ensuite descendre la piste. Les deux autres partiront après dans un autre télécabine. Donc vous êtes un petit peu avantagé car vous êtes moins bon skieur. Moi, je suis nul aussi. Vous avez un petit avantage. Le dernier arrivé sera éliminé et partira aux portes de la demi-finale. Je rappelle que Gilles a une vie. Les déguisements. On a d'abord un déguisement de Superman.
je vois bien Enora en Superman. Batman, vois bien. Bon, Jean-Luc, il aime bien Batman ? J'aime bien Batman. Allez, bon, Jean-Luc en Batman. On a soit un Yeti, soit un Wonder Woman. Yeti ! Aïe, 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 ouais, mais Yeti, c'est très dur de skier avec le masque. Ah. Bah, c'est pour Jean-Michel. Yeti, c'est pour Jean-Michel. Moi, je veux bien Yeti. Yeti pour Jean-Michel. Ouais, mais... Allez, Yeti pour Jean-Michel, et donc Gilles sera en Wonder Woman. Bravo Jean-Michel qui joue le jeu. Merci Jean-Mi. Jean-Mi, attention, ne prenez pas de risque pour Jean-Mi aussi. Hein. Ah non. Si vous voyez que vous ne pouvez pas skier avec le masque, ouais, vous avez le droit de l'enlever. Merci, à tout de suite. Il n'y a pas de... C'est une cape. Et par contre, l'arrivée de toi comme as. On y va, Hugo, on y va. Allez les gars. On m'appelle l'OVNI. Mais dis-moi, mais j'ai jamais vu une lenteur pareille. Non mais c'est un phénomène. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Je suis parti, je squatte plus le béton. J'ai de mes potes qui sont béton. Je sais que ça retourne son veston. Mais il est où, sans déconner? Ah, il arrive. Il est dans le dernier virage, en face de toi, en face, là. Avec sa cape rouge, là. On m'appelle l'OVNI. C'est pas possible. Mais il est où? Ici. J'ai l'impression qu'il recule. Ça va, mon Gilles? Bravo, mon Gilles! Bravo, Gilles! Bravo, Gilles! Ça va, Gilles? Ça va. Eh, hey, mais c'est Wonder Woman, ça? T'es crevé, là, mon Gilles. Bon, Gino! Bravo. J'ai été nul, mais... Ouais, t'as été nul. Franchement... T'as tout donné, là. C'est ouais. L'épreuve, moi, je sais plus faire. C'est vrai? J'ai l'épaule en vrac. Bah ouais, bravo. C'était vers la 6, je pouvais plus rien faire. Bon, je t'embrasse. T'as même pas le droit de la prendre, en principe, pour ce qu'ils font, la piste. Je ne voulais pas, putain. Bon, bravo. Si tu pouvais éviter de me cracher sur la gueule. Allez, mon Gilles. Bravo, Gilles. Viens, mon Gilles. Bravo, Gilles. Bravo, Gilles. Vous le savez, vous êtes aux portes de la demi-finale, les chéris. Il y aura une dernière épreuve à 3, puis il y aura un éliminé, et la grande finale dans Touche pas mon poste spécial ski, en direct. Gilles, vous êtes normalement éliminé de cette épreuve, mais au tout début, grâce à votre pipi, vous avez gagné une vie. Cette phrase. La phrase est folle. Bravo. Est-ce que vous pensiez un jour que votre pipi allait vous amener jusqu'aux demi-finales? Jamais, mais hein, c'est un magnifique pipi, mais je pensais quand même pas qu'il irait jusqu'en finale. J'imagine que vous avez fait une crotte. Je glorifie. Oh là, mon pipi. Gilles, venez me rejoindre. Oh, mon pipi. Merci, mon pipi. Oh, mon pipi. Gilles, vous devez éliminer l'une de ces trois personnes. Ouais, parce que je prends ma vie. Bah, bien je veux trop gagner, je la prends. Je mériterais d'être sorti sur l'épreuve, mais vous comprenez que je prends ma vie. Je me suis battu là, je veux aller encore plus loin. Voilà. C'est normal, tu mérites. S'il vous plaît, Gilles, tu vas prendre ce bâton et tu vas aller l'enfoncer dans le cul. On se retourne alors, chef, ou... J'aurais dû faire les mises en carte. C'est magique, ça. Tu vas donc prendre ce bâton et tu vas aller l'enfoncer devant. Le planter. Devant
la première personne que tu gardes. Je plante mon bâton. On peut devant. Non, non, mais non, ne le dis pas. Non, devant celui que je garde tout de suite comme ça. Plante ton bâton. Il y a quelqu'un que je garde tout de suite comme ça parce qu'il a mérité, il a fait une course de folie, c'est le Yeti. Bravo ! Jean-Michel, venez donc me rejoindre et amenez le bâton. C'est cruel, mais il faut choisir. Et Cyril, dans ces cas-là, je pense qu'il faut y aller directement. Il faut respecter la montagne, le ski, prendre la logique de la course. Ouais. Premier Jean-Michel, Jean-Luc a terminé deuxième. Donc Enora, je suis confus, je suis attristé, mais c'est toi que j'élimine. Enora, vous êtes donc éliminée. On vous laisse descendre la montagne toute seule. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Que je vous aimais très fort, que je suis très fière de vous, que je suis fière de faire partie de cette émission. T'as fait un très beau parcours, Enora. Merci beaucoup. Bravo, Eno. Enora, va-t'en. Les chéris, il ne reste plus qu'une épreuve pour savoir les deux finalistes. C'est le 100 mètres. Valise, c'est parti. On peut retirer la combinaison, chef. On est en direct, les chéris. Merci d'être avec nous sur C8. Moi, ce que j'aime, c'est Enora sur la tête de ma mère. On dirait qu'elle est restée 15 jours sur une île déserte. Ouais. Je vous aime. Vous voyez que j'aime ma famille qui est loin maintenant. C'était ouf. On dirait qu'elle s'est fait éliminer, mon frère, d'une aventure, mais de ouf. Et on est encore à fond. Alors, il y avait une pression, je vous dis. C'était un truc de ouf, ah ouais. Hein, Jean-Luc. Celui qui était le plus à fond, c'était Cyril, quand même. Ah ouais. Parce que depuis le début du jour, on a vu que vous preniez beaucoup de plaisir à faire le maître du jeu, à faire le Denis Brunière de Tunis. Ah, mais je suis comme un ouf. Je suis Denis Brunière de Tunis. Mais vous êtes fait pour ça. Non, mais c'est Mahmoud Brognard. Ouais. Justement, Mahmoud Brognard, on a fait une petite compilation de tout ça. Ouais. Gilles, tu vas prendre ce bâton et tu vas aller l'enfoncer dans le cul. On se retourne alors, chef. J'en dis pas une minute encore. Tu vas donc prendre ce bâton. Les binômes, on aura Isabelle. Pour savoir quel couloir vous choisissez, veuillez mettre chacun une main dans le dos et vous allez me faire un chiffre entre 1 et 5. 3, 2, 1, top. 3 plus 3, 4, 7, 7 plus 3, 10. Attention, en 2 points gagnants. Allez, les gars. Je viens de changer d'avis en 1 point. C'est donc Gilles le gagnant. Est-ce que vous allez faire une élimination stratégique ou bien est-ce que vous allez éliminer quelqu'un dont la gueule ne vous revient pas ? Gilles, vous êtes normalement éliminé de cette épreuve, mais au tout début, grâce à votre pipi, vous avez gagné une vie. Cette phrase. La phrase est folle. Bravo. Caroline, c'est vrai que c'est une adversaire redoutable. Elle skie bien, elle est très aimée de ses camarades. Jean-Michel veut la ken, donc ça fait plusieurs choses. Non mais vraiment, ça fait plusieurs choses, voilà. C'est stratégique. Donc les deux derniers, c'était Mokhtar et moi. Comme hélas, je peux pas m'éliminer, j'élimine Mokhtar. C'est uniquement pour cette raison. Et Nora, vous êtes donc éliminée. Va-t'en. J'imagine Denis Brognard. Nora, vous avez dit, va-t'en. Bah, vous imaginez Denis Brognard sans déconner. Tu es éliminé, va-t'en. Quitte-moi cette île. Non, mais c'est ce qui était très drôle dans la course avec le Yeti, c'est qu'on croisait des gens, on était un peu perdus, et les gens nous disaient suivez le Yeti. Ah bah, c'est surréaliste. Quoi. Vous skiez vachement bien, même en Yeti, ce qui est super. Mais j'avais que deux meurtrissures pour voir, c'était pas facile, mais ça va la piste. Meurtrières, non ? Meurtrissures, ça passe. Ah, c'était des gerçures, j'avais aussi. J'avais des gerçures. Mais c'est des meurtrières, en effet. En tout cas, vous avez de la lourdeur aussi, également. Et chérie, vous n'êtes plus que trois. Jean-Luc, Gilles et Jean-Michel. Il n'y a plus de vie. J'aimerais avoir vos pronostics. À votre avis, qui va être en finale ? Vous ne le savez pas, hein, ici, autour de la table. Non, vous a tout caché. Ouais. Mathieu, à votre avis, qui va être en finale ? Depuis le début, je mise sur le bon chameau, mon poulain, Jean-Michel. Contre qui ? Bah oui, c'est en finale. Contre c'est qui ? C'est une finale, c'est à deux. Non, j'ai bien compris. Et je dis... contre Jean-Luc. Je prends pas beaucoup de risques. Valérie. Oui, Jean-Michel, Jean-Luc, parce qu'à la fin, Gilles était un peu blessé, il était épuisé. Ouais. Donc au bout du rouleau, je ne sais pas où il aurait trouvé les ressources. Nous, on était ressources. En forme aussi, t'es gentil. Ouais, mais... Pas même Gilles en forme. Jean-Michel, bien sûr, et Gilles. Parce que Gilles. Parce que mental tellement fort de Gilles que je pense qu'il peut aller jusqu'au bout. Merci pour moi. au niveau du mental, très très faible. Mokhtar. Ouais, pareil, Gilles pour le mental et Jean-Luc. Ah donc vous pensez que Jean-Michel va être éliminé ? Ouais. Isabelle. Moi, je pense Jean-Michel. Et alors, les deux étaient blessés à la fin. Donc, mais je pense que Gilles était plus blessé, donc je dis Jean-Luc.
Capucine. Moi, je dis Jean-Michel et Jean-Luc, ouais. Benjamin. Jean-Michel et Jean-Luc pour ne pas avoir trop les boules d'avoir perdu plus tôt. Ah. Et Nora. Jean-Michel, Jean-Luc, c'est vrai que Gilles était vraiment exténué, ouais. Malgré son mental d'acier. Vous sous-estimez Gilles, je crois. Gilles, c'est un compétiteur. C'est vrai. Il ne lâche rien. C'est vrai. Ah bon ? Il sent les choses. Même avec ce cache-nez ? Et Naïm, on se calme. C'est drôle. Regardez. C'est drôle. C'est parti. Ça y est, mes trois potés, vous êtes déjà en demi-finale, c'est magnifique. Il en restera deux pour la grande finale. Gilles n'a plus de vie, ça veut dire que vous êtes tous à égalité. Cette dernière épreuve pour arriver en finale à Paris en direct, elle est simple. Vous avez là-bas des valises avec des affaires. Il faudra mettre tous les vêtements dans la valise, fermer la valise, revenir en courant et passer ici la ligne d'arrivée. Les deux premiers seront en finale sur le plateau de TPMP en direct. Pour savoir quel couloir vous choisissez, venez mettre chacun une main dans le dos et vous allez me faire un chiffre entre 1 et 5. 3, 2, 1, top. 3 plus 4, 7. 7 plus 3, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jean-Michel, vous choisissez quel couloir ? Couloir du milieu. Couloir du milieu. Gilles ? Je prends le couloir de gauche. Très bien. Jean-Luc, vous prenez donc le couloir de droite. Allez, le droite. Attention. Ne prenez surtout pas de risques, les chéris. Surtout Gilles. Oh là, ça démarre mal. 3, 2, 1, top! Attention, attention! Putain, mais comment ça s'ouvre, cette lune? Mais merde! Allez. Pour l'instant, ils ont du mal à ouvrir les valises. Allez, pour l'instant. Gilles est très bien parti sur sa valise. Il est très bon, il faut fermer la valise. Non, il faut fermer la valise, sinon vous ne partez pas. Jean-Michel, vous retournez derrière. Vous retournez derrière, vous fermez la valise entièrement. Si la valise n'est pas ouverte, pas fermée, vous êtes éliminé. Jean-Michel, sa valise est fermée. Jean-Michel est très bien parti. Ça se joue maintenant entre Jean-Luc et Gilles. Jean-Luc est en train de fermer sa valise. Gilles aussi. Vous êtes à égalité pratiquement. Attention! Attendez. Eh oui, je vous le dis, à l'heure qu'il est, nous ne savons pas qui est en finale. Jean-Michel est en finale, c'est sûr. Ce que je vous propose, c'est qu'on revoie la fin de la course. Ah ouais. Tous ensemble. On a la photo finish. Non, mais en Jeux Olympiques. Non, mais c'est ouf. Franchement, c'est incroyable. C'est ému, là. Incroyable. C'est génial. Si on avait voulu l'écrire, on n'aurait pas pu. Ah ouais. Oui. Gilles, pour vous, qui a gagné? Franchement, pour moi, c'est match nul. Je vois Jean-Luc. Ah, mais il n'y a pas de match nul. Photo finish, ça doit jouer un millimètre. Est-ce que la photo arrive même à nous départager? Je ne suis pas sûr. Vous allez voir ça dans un instant. Jean-Luc. Je sais pas, on s'est jetés tous les deux sur la ligne, donc franchement, je sais pas. C'est vous qui allez dire, autour de la table, qui a gagné. Ah, entre les deux, en fonction de la photo ? Non, mais vous n'allez rien dire du tout, c'est moi qui vais dire. J'ai cru chez sa mère. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que tout le corps passe. Oui, que la valise ou que le corps ? Vous allez voir. Regardez déjà voilà, revoyons cette course. Non, mais tu cours pas vite, Jean-Luc. Gilles, il court. J'aimerais t'y voir. C'est ralenti, banane. Mais non, mais... Jean-Luc, j'arrive pas à voir. Est-ce qu'on peut avoir le son, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez remettre avec le son la fin de la course, s'il vous plaît? C'est simple ce qu'on veut. Allez-y. Avec le son, la fin. Attention! Alors, à votre avis, je vais vous dire dans un instant. Pour vous. Ça me fait chier, mais c'est Gilles. Gilles ? Oui. Pour vous, c'est Gilles qui est en finale face à Jean-Michel. Gilles a jeté sa valise. Non, mais c'est Jean-Luc pas la valise, c'est le corps. Et même le corps, Le corps, c'est... Non, alors, le corps, c'est Jean-Luc, du coup. Dites Jean-Luc. Ouais. Moi, je vois Jean-Luc aussi, ouais. Jean-Luc. Jean-Luc. Gilles est premier sur la première ligne, mais Jean-Luc est premier sur la ligne... Je pense que c'est Jean-Luc. Alors, vu qu'il y a ma sœur dans le public et qu'elle est fan de Jean-Luc, je vais dire Jean-Luc.
Et sinon, vous êtes dans l'émission, à part votre famille, ça vous intéresse? Benjamin. Écoutez, vous connaissez à quel point je suis bon joueur, et à quel point j'aime Gilles. Et là, je vais être honnête, je pense que c'est Gilles qui remporte l'annonce. Non. C'est la valise de Gilles. Non. Je pense que le plan, il y a un effet d'optique. On a l'impression que c'est Gilles, mais c'est le corps de Jean-Luc en premier. Ouais. Pour moi, c'est Jean-Luc. Je pense aussi, ouais. C'est que c'est Jean-Luc. Je pense. Ah oui, c'est Jean-Luc. J'aimerais qu'on voit la photo finish, s'il vous plaît. Non, mais c'est énorme, la photo. La photo finish. S'il vous plaît, en régie. C'est vrai qu'il y a des bars. On a préparé la photo finish. Non, mais la photo. Il y a la photo. Des bars, hein. Vous ferez un arrêt sur image, s'il vous plaît, à la fin de la course. Elle n'est pas droite, l'image, en plus. Elle est... Oui. Elle profite, voilà. C'est Jean-Luc. Je vais vous dire. Bah oui. Je vais vous dire, moi, qui a gagné. Il a le pied, Jean-Luc, là. Je vais vous dire. Il y a un problème. Non, mais s'il vous plaît, on n'a pas besoin, on sait. Merci. Regardez bien, les chéris. Faites avancer l'image. Ça joue un poil de. Vous allez voir. Ça joue à quoi? Un poil de derrière. C'est Gilles. Allez-y, avancez l'image. C'est Gilles. Avancez l'image. C'est Jean-Luc. Avancez l'image. Regardez bien. Regardez bien. C'est Jean-Luc. Regardez bien encore. C'est Jean-Luc. C'est cette ligne qu'il faut passer. Voilà, c'est Jean-Luc. Et Jean-Luc. Regardez, il y a un bout de pied. Gilles, tu es sur la première ligne. Eh oui. C'est la deuxième ligne. Eh ben, voilà. Joué à ça. Ah, vous voyez que j'ai bonne vue. C'est passé à ça de ma mère. La finale oppose donc Jean-Michel à Jean-Luc. Voilà. La finale. Il va y avoir une épreuve dans un instant, les chiens. Une épreuve. Il va désigner le grand gagnant et celui qui gagnera les 10 000 euros pour son association. C'est extrêmement important. Juste avant, Gilles, j'ai une petite surprise pour vous. Puisque vous avez été héroïque pendant toutes ces épreuves, pendant toute cette aventure au ski. Ouais. Vous avez été formidable. Ouais. Vous êtes mon ami, vous le savez. Et Gilles, à tout jamais, votre nom restera dans les mémoires de Montgenèvre, cette belle station. Puisque Gilles, on a une surprise pour vous. Regardez. Non. Mais non. Sérieux? Il y a une piste. C'est une blague. Et ce n'est pas une blague. Il y a une piste à Montgenèvre qui va s'appeler la Gilles Verdel. Mais non. C'est génial. Je vous jure que c'est vrai. Mais non. Eh oui, les chers. Vous pouvez remercier Montgenèvre. En plus, c'est une rouge. Vraiment. C'est une rouge, en plus. C'est une piste rouge. Tu sais, en hommage à votre nez. Ouais. Ah, je suis super ému. Voilà. Et tous les gens de Montgenèvre qui étaient avec nous étaient fabuleux. Voilà, géniaux. Ils sont tous dans le public, d'ailleurs. On les embrasse fort. Ils sont là-bas. Fabuleux. Ils sont tous là-bas. Voilà. Oh, là, y a tous les potes. Eh, merci, les gars. Vous avez été formidables. Les chéris. Eh, ça va mieux, là. Parce qu'il y en a un qui m'a presque massé. Donc, voilà, qui est venu dans ma chambre. Merci. Ça va, bébé? Merci, et merci pour le caleçon. Il m'a offert un caleçon. Gilles, vous avez votre nom sur une piste. C'est magnifique, merci. Oui, Valérie. Oui, Cyril, je voulais vous dire, vous savez que grâce à Capucine, il y a aussi des jeunes gens, des jeunes enfants d'une association, Génération 91, qui ont fait le voyage au ski avec nous. Oui. Et ils ont été absolument adorables, ils se sont bien amusés, et ils ont fait une petite vidéo pour vous, Cyril. Ah, j'aimerais qu'on l'arrête. Alors, on les a croisés sur les pistes. Ils étaient formidables. Ils sont allés au ski, ils étaient comme des fous. Et juste après, les chéris. La finale, je vais vous expliquer l'épreuve. Qui va gagner ce soir? Jean-Michel Maire ou Jean-Luc Lemoine? Regardez ce magnéto et cette fragilité. Qui ne l'arrache pas? Mon mousse! C'est une balle en bas! Et les enfants, vous partez au ski, regardez, on vous emmène! Ma chroniqueuse préférée, c'est Capucine. Moi, ma chroniqueuse préférée, c'est la vieille. Moi, mon chroniqueur préféré, c'est Mokhtar. Moi, mon chroniqueur préféré, c'est Cyril Hanouna. C'est de l'association Génération 91. Regardez-moi ça. Les chéris, l'épreuve
de la finale, c'est celle-ci. Elle est très simple, vous allez venir me rejoindre dans un instant. Jean-Mi et Jean-Michel. Je vais vous demander de ne pas regarder l'épreuve pour l'instant. Ah. Puisque ne faites pas tout rentrer des chéris pour ne pas les influencer. Il va y avoir des bâtons qui vont être plantés partout ici. Jean-Michel et Jean-Luc, vous allez pouvoir retirer à chaque fois un, deux ou trois bâtons. Celui qui tirera le dernier bâton, le bâton d'or, sera le grand vainqueur. Je suis nul. Il va falloir calculer, il va falloir être stratège. Donc Jean-Luc part avec un petit avantage. Et Jean-Michel, est-ce que vous avez compris l'épreuve? Oui, j'ai compris, mais j'ai toujours perdu à ce genre de jeu. Ça, je joue avec des allumettes, j'ai jamais gagné, c'est vrai. Jean-Luc? Ouais, on va essayer. Allez, bon. Et... Jean-Luc, vous allez voir, c'est un véritable casse-tête chinois, cette affaire. Je sens qu'il y en a qui va se prendre un bâton dans le... Les chéris, Jean-Luc et Jean-Michel, vous allez venir me rejoindre, mais sur Twitter, vous n'arrêtez pas, les chéris, parce que dans un instant, je vais prendre quelqu'un au téléphone qui va gagner le ski à vie. Vous nous avez demandé sur Twitter de revoir un truc ce soir. Vous voulez absolument revoir avant la finale la caméra cachée avec Valérie Benaïm, voilà, et la jeune fille, voilà, qui était au spa, Julia, voilà, qu'on embrasse fort. C'est parti. Regardez, juste après, c'est la finale et on prendra la personne au ski. Continuez à réagir sur Twitter. C'est parti. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary place. Bonjour. Vous êtes française? Super. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes mis en maillot, c'est formidable. Est-ce que vous avez déjà choisi votre soin? Non. On est en train de tester plein de petites nouveautés. Il y a le massage oriental que je vous recommande, qui est absolument formidable. Si vous voulez vraiment vous relaxer, vous êtes à Djerba, quoi. C'est génial. On a le soin rêve d'Arissa. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? L'oriental. L'oriental? Oui. D'accord. Ben je reviens. Je vais chercher la personne qui est spécialiste. Oui. Vous vous allongez sur le ventre. Massage oriental, la meuf. Donc oriental, je te propose de. Bon, on va démarrer. De partir sur un peu de d'huile. Non, il faut mettre du couscous. Ouais, du couscous, ouais. Assistante. Bonjour, cela, madame. Oui. Bonjour. Bonjour. Si. Relaxez-vous, hein, détendez-vous. Relaxe-vous. Relaxe-toi. Relaxe. Monsieur est slave. Il vient de Russie. Doutante. Doutante. Le retour veineux est facilité comme ça. C'est une spécialité de Vladimir. Good. Vous sentez comme les jambes sont plus légères? Oui. C'est impressionnant comme technique, mais je vous assure que vous verrez la différence. C'est la deuxième partie du massage. Vous boulez? Oui, vous boulez. C'est un peu le principe. Pourquoi bouger? C'est un petit peu le principe du massage avec les pierres chaudes. Mm-hmm. Voilà. C'est beau. Oui. Tout bon. C'est bon? Beaucoup. Ah oui, bien sûr. On passe au troisième stade. Tout bon. Ça vous détend, non? Oui. C'est particulier, je le reconnais, mais vous verrez les bienfaits, hein. Non, je vous fais le... les énergies. Les énergies, oui, c'est bien ce que je pensais. Du coup, vous souvenez, le plan. On a wa Koh-Lanta. Doucement. On a wa Koh-Lanta. Avec moi. Répétez avec lui. On a wa Koh-Lanta. Un peu plus fort, un peu plus fort. On a wa Koh-Lanta. Koh-Lanta. Unawa
Coulante. C'est un soin oriental en musique. Aïcha. Attention. Vous dites juste Aïcha. Comme si je n'existais pas. À vous. Aïcha. Il est passé à côté de moi. À vous. Aïcha. Sans un regard, plein de sabbat. Moi aussi. Libel, Libi. Libi, Libi. Libi. Bijou. Libi quoi? Bijou. Libi joue. Libi joue. Comme Libi joue ici. Libi, Libi. Joue. Libi joue. Mes chéris, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct sur C8. Et les deux finalistes sont là. Jean-Luc Lemoine face à Jean-Michel Maire. Ils vont jouer pour gagner le titre de meilleur montagnard, de M&M's, comme on l'appelle. Pour cela, ils vont jouer dans un instant. Mais juste avant, on a quelqu'un au téléphone qui va peut-être repartir avec le ski à vie. À vie. C'est à vie, elle fera du ski. D'accord ? On appelle quelqu'un. On appelle quelqu'un tout de suite. J'espère que la personne va répondre. J'espère que la personne n'est pas en train de partir en soirée ou quoi ou qu'est-ce. Allez, c'est parti. On y va. J'attends la sonnerie. Merci les chéris. Il y a une sonnerie téléphonique ou bien on tombe directement sur la personne? Merci en régie, merci de dormir, merci. Ah, on entend la sonnerie. Merci de... On l'entend? Allô? Oui. Oui, qui est à l'appareil? C'est Adrien. Adrien, comment ça va? C'est Cyril Hanouna, tu vas bien? Ça va super bien, Cyril. On est en direct sur C8, tu nous regardais? Bien sûr que je te regarde, Baba, bien sûr. Je regarde toute l'équipe et on s'est éclaté toute la soirée. T'as un amant, mon chéri, je t'appelle parce que tu sais que tu as gagné un bâton de ski. Super, je te remercie. Merci, mon chéri. Mon chéri, t'habites où? Alors, j'habite à côté de Périgueux, en Dordogne. D'accord. Tu pars souvent au ski? Ça fait malheureusement longtemps que j'ai pas pu y aller. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis commercial. T'as pas l'air clair, mais c'est pas grave, je t'aime bien quand même. Je suis perturbé, Baba, je suis désolé. Tu habites avec qui, mon chéri? Eh ben, j'habite avec ma femme et mes deux filles, Elisa et Axel, qui ont 14 et 10 ans. 14 et 10 ans? Mon chéri, écoute-moi bien. Ouais. C'est un cadeau magnifique que tu vas faire à toute la famille. Puisque tu vas pouvoir aller au ski à vie, mon chéri. Tous les ans, tu partiras avec ta famille au ski à Montgenèvre. Grâce à François, qui est là, mon François. À Vincenzo. Voilà, mon chéri, tu vas kiffer, mon chéri. Tu pars au ski avec ta famille tous les ans. Tu nous enverras des petites photos, tout ça, hein, sur Insta, tout ça. Hein. Mais y a pas de souci, Baba. Tous les ans, j'envoie les photos. Merci des PMP, merci des Vincenzo. Très fort, mon chéri. Allez, mes chéris. Attention, c'est maintenant la finale. Il y a une grosse pression. Il y a 10 000 euros en jeu. Je vous rappelle le principe. Vous avez une cinquantaine de bâtons ici. Vous allez devoir enlever 1, 2 ou 3 bâtons au maximum à chaque fois. Celui qui arrivera à avoir le dernier bâton, le bâton d'or, sera le grand gagnant et repartira avec les 10 000 euros pour son association. Mais par exemple, s'il en reste 3 à la fin, il faut vraiment qu'il reste qu'un seul bâton. Ah bien sûr, s'il en reste 3, c'est à vous de jouer, vous en prenez 2. Okay. Comment on l'est sinon? Il a tout compris? Ouais, faut vrai. Non, s'il en reste 3, on prend les 3 derniers. C'est bon. Bah non, c'est bon, il a rien compris. Non, non. Ah, si. Non, il faut que le dernier, il n'y ait plus qu'un seul choix, c'est qu'il prenne celui-là. Exactement. Voilà. Hein? Non, non, j'ai rien compris. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait pas faire la finale sur une bataille de boules de neige, un truc comme ça? Mes chéris, je vous sens tendu. Jean-Michel, vous voulez la gagner? Ah bah oui, pour l'association. En plus, je sais que vous voulez gagner. Pour vous, c'est vous qui méritez de gagner? Non, je mérite pas spécialement plus, parce que je savais mieux skier, donc j'étais plus acclimaté, c'est plus un homme des plaines, Jean-Luc. Vous croyez qu'il a été à la rizière? Non. Voilà. Mais chérie, Jean-Luc, c'est Jean-Michel qui va choisir de commencer
ou de vous laisser commencer. Et pourquoi ça? Parce que c'est lui qui est arrivé premier à la dernière épreuve. Et bim. Bonne raison. Voilà. Jean-Michel, qu'est-ce que vous faites? Je le laisse commencer. Vous le laissez commencer? Je laisse la main. Je laisse le bâton. Le perse, quoi. Oui, c'est ça. Vous laissez le bâton? Oui. Descendez, hein, vous pouvez descendre. Ah, d'accord, okay. Attention, Jean-Luc, vous démarrez. Vous enlevez un, deux ou trois bâtons. Trois bâtons. Jean-Michel. Deux bâtons. Jean-Luc. Pour l'instant, il en prend trois également. Jean-Michel. Complètement pif, hein, je vous... Ah, bah, je sais. Ouais. Faut être honnête. Après un moment, il va falloir avoir... Ah bah oui, oui. Allez, Jean-Michel. Attendez. Il reste beaucoup moins de bâtons. Ça va commencer à se corser. On va savoir qui va être le grand champion. Ce sera dans un instant sur ces Jean-Michel ou Jean-Luc. A tout de suite, ma petite beauté. David, on est encore en direct. TPMP fait du ski. On espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous. On est en TT Monde. Je vous le dis, on est deuxième TT Monde. C'est la folie ce soir. Et les chéris, on joue au jeu du bâton avec nos deux finalistes, Jean-Michel Maire et Jean-Luc Thomas. Gilles Verdez, vous êtes troisième. Vous avez fait un très beau parcours. Merci. Je rappelle le principe, il y a plein de bâtons ici. Vous pouvez en retirer un, deux ou trois. Mais étant donné que vous avez pu calculer peut-être pendant la pub, j'ai décidé de changer la règle. Ah bah tiens. Celui qui prendra le dernier bâton sera le perdant. Oh non. Et il devra le remettre au gagnant, qui sera le numéro 1 et qui gagnera 10 000 euros pour son association. Il reste beaucoup moins de bâtons. C'est parti, c'est à vous ou vous. C'est vous qui décidez, c'est vous le patron. C'est à vous. Un, deux ou trois bâtons. Celui qui prend le dernier bâton a perdu. Je le rappelle. Je voudrais remercier Laurent Brito. Toutes les vêtements pour les enfants, tout ça. Les hôtels, MMV, Anova, Chalet Blanc. Et remercier tout mon Genève, hein. Vincenzo, François, tout ça, tous mes potos. Merci les frérots. Attention. Allez, Jean-Luc. Jean-Luc, il commence déjà à calculer. Ouais, il réfléchit. Autant Jean-Michel, il s'en fout totalement. Non, pas tant que ça. Jean-Michel, il fait tout et n'importe quoi. Pas tant que ça. Putain, je suis perdu là. Vous pouvez prendre un, deux ou trois bâtons, je le rappelle. Celui qui prendra le dernier bâton aura perdu. Oh là 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 là. Il reste de moins en moins de bâtons. Là, il va falloir jouer stratégique. Celui qui prend ce bâton en or a perdu. Celui qui gagne fera gagner 10 000 euros à son association. Trois bâtons pour Jean-Luc. Un pour Jean-Luc. Putain, c'est chaud. Ça se resserre. Alors là, je vais commencer à calculer parce que là... Les taux se resserrent. Faut commencer à calculer là, à mon avis. Jean-Luc en a pris trois. Il reste cinq bâtons. Là, Jean-Mi... C'est pas bon. Un seul. Je vous sens dans la merde. Moi aussi. Il reste 5 bâtons. Forcément. Ah, après Jean-Luc qui prend 1. Ouais. Comment dire Et voilà. Ah bah, et celui qui prend le dernier bâton a perdu. Jean-Luc Lemoine est le grand vainqueur. Bon Jean-Luc, bravo. Mettez-vous sur le podium numéro 2. Non, venez là, Jean-Luc, venez là. Allez-y, vous allez vous mettre sur le podium. Bravo, Jean-Michel. Vous montez sur le... Merci. Jean-Luc, vous êtes le grand vainqueur. Mettez-vous sur le podium. Gilles est troisième. Jean-Michel, deuxième. Jean-Luc, vous allez tout de suite dire à qui, à quelle association vous offrez ces 10 000 euros. Bonsoir, c'est pour les Jeux Olympiques, c'est juste à côté, c'est première à droite. Alors allez-y, il y a même une remise de médaille. Bah, merci, oui. C'est très sympa. Merci, Jean-Luc. Je voudrais... Alors, allez-y, remettez les médailles. C'est important, c'est une association particulière, c'est une association qui s'appelle Nathan, le combat d'un ange.
Et c'est pour un petit garçon qui est polyhandicapé, qui souffre d'une maladie orpheline et qui a besoin de stages pour apprendre à avoir un peu de motricité. Et chaque stage vaut 5000 euros. Donc là, ça lui offre 2 stages à Barcelone. Bravo. Merci, Mike. On attend 10 000 euros. Merci. 10 000 euros qu'on attend. Merci de vous prendre. Allez-y, je vais prendre le 10 000 euros qu'on attend. Je voudrais remercier tout le monde parce que vous avez fait un truc exceptionnel. Vous avez été extraordinaire. On a vraiment rigolé. Je voudrais vous remercier d'avoir été encore avec nous ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Lundi, on sera de retour bien sûr en direct dans TPMP. Et n'oubliez pas, la télé, c'est que de là. Et n'oubliez pas qu'on vous aime, les chéris. Merci d'être toujours là pour nous. J'espère que vous avez kiffé ce soir. Merci, mes petites beautés. Je suis pas bien, là, mais ça passe. Merci. Merci.